Amen. Ephésiens chapitre 2, Ephesians chapter 2, verset 1er. The first verse. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon les trains de ce monde, selon les princes de la puissance, de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Who were dead in trespasses and sin, wherein in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Among whom also we all had our conversation in times past, in the lust of our flesh, fulfilling the desire of the flesh and of the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, but God who is rich in mercy, for his great love wherewith he loved us, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Even when we were dead in our sins, hath he quickened us together with Christ. Et c'est par grâce que vous êtes sauvés. By grace ye are saved. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. And hath raised us up together and made us sit together in heavenly places in Christ Jesus. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. That in the ages to come he might show the exceeding riches of his grace in his kindness toward us through Christ Jesus. Dieu notre Père céleste, Lord our Heavenly Father, encore une fois nous voulons te dire merci. Once again we want to say thank you to you pour la lecture de ta parole. For the reading of your scripture. Tu nous as déjà promis la bénédiction. You have already promised us the blessing. Pour celui qui lit la Bible. For whomever reads the Bible. Et pour celui qui écoute ce que nous lisons, Père. For whomever hears what we read. Je prie que tu bénisses cette église. I pray that you bless this church. Que tu bénisses ton peuple qui a écouté la lecture de cette écriture. You bless your people who heard the reading of this scripture. Et laisse que toi le Dieu qui est auteur de la parole. Let you the God who is the author of the word. Descende maintenant pour nous parler, May Seigneur. You come down and speak to us. Viens now nous donner le contexte de ce que nous venons de lire. Come and give us the understanding of what we read. Parce que c'est toi qui es le révélateur de ta parole. Because you're the revelator of your word. Nous comptons sur toi ce matin. We're counting on you this morning. Bénis-nous avec ta présence. Bless us with your presence. Assiste-nous, Seigneur, dans cette prédication. Us in this preaching. Et que tout soit pour ta seule gloire et and pour ton all honneur. Be for your glory and your honor. Bénis ton peuple. Bless your people. Même ceux qui vont suivre cette prédication loin. Even those who follow this sermon. Je veux que tout ce soit béni. All them to be blessed. Merci pour tout, Seigneur. Thank you for everything. Merci pour le réveil. Thank you for the revival. Merci pour le baptême du Saint-Esprit. Thank you for the baptism of the Merci Holy Spirit. Merci pour ta présence dans cette église. Thank you for your presence in this church. Merci, Seigneur. Thank you, Lord. Pour toutes les bonnes choses. For the good things. Que toi tu es en train d'accomplir au milieu de nous. That you are fulfilling among us. Sois béni, notre Dieu. Be blessed, our God. Sois loué. Be praised. Sois glorifié pour Be glorified for everything. Viens maintenant prendre les dessus. Come now and take over. Prends le contrôle, Seigneur. Take control, Lord. De cette prédication. Of this sermon. Du début jusqu'à la From fin, the beginning to the end, alors que nous ne comptons que sur toi, we are counting upon et rien que sur toi, notre only Père, to you, our Father, de maintenant à jamais, from now and forever, au nom de Jésus-Christ, in the name of Jesus notre Christ, seul Dieu, our only God, notre Maître, our Master, notre Roi, our King, nous prions ainsi avec foi, we pray with faith, et nous disons tous ensemble, and we all say, Amen. 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 Vous pouvez Amen. Vous asseoir. You can be seated. Ce matin, je voulais prêcher sur le Dieu qui est riche en miséricorde. This morning, I wanted to preach on the God who's rich in mercy. Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. C'est là où nous venons de lire dans la Bible. That's what we came from reading in the Bible. La Bible dit que Dieu est riche en miséricorde. The Bible says that God is full of mercy. Vous croyez à ça ce matin? Do you believe in that this morning? Il dit que nous étions morts. He said we were dead. Morts dans le péché. Dead in sin. Nous qui n'étions même pas un peuple un jour. We were not even a people one day. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. But God who's rich in mercy. Il a pensé à nous. He thought of us. Et il nous a sauvés. And he has saved us. Il nous a rendu la vie. He has given us life. Amen. Amen. C'est parce qu'il est riche. It's because he's rich. En miséricorde. In mercy. Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. Vous croyez que votre Dieu est riche en miséricorde? Do you believe that our God is rich in mercy?
Vous les croyez? Do you believe that? Regardez, frère Branham a dit. But Branham says. Il dit que je suis content de ça. He said, I'm happy of that. Qu'il soit riche en miséricorde. That he be rich in mercy. S'il était seulement riche en argent. If he was only rich in money. S'il était seulement riche en biens matériels. If he was only rich in material things. Oui, il est effectivement riche. Yes, he's really rich. En biens matériels. In material things. Il est riche aussi en argent. He's also rich in money. C'est bien. But it's good. Mais malgré tout. But even though, ce qui est de plus glorieux, what is more glorious, c'est qu'il soit riche en miséricorde. That he be rich in mercy. Ça c'est plus glorieux. That's more glorious. Il est riche en matériel. He's rich in material things. Il est riche en argent. He's rich in money. Parce qu'il a dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Because he said gold and silver belongs to him. Mais la chose est la plus glorieuse. But the glorious thing, c'est qu'il est riche. That is rich. En miséricorde. In mercy. Parce que l'argent ne peut pas acheter le salut. Because money cannot buy salvation. Le bien matériel ne peut pas acheter le salut. The material thing cannot buy the salvation. Mais sa miséricorde. But his mercy. La miséricorde de Dieu. The mercy of God. A produit le salut. Produce salvation. La miséricorde de Dieu. The mercy of God. A produit la prédestination. Produce the predestination. Oh, combien nous sommes heureux ce matin. Oh, how we are happy this morning. De savoir qu'il est riche en miséricorde. So God is full of mercy. Frère Branham a dit, je suis si content. I'm very happy. Si le prophète est si content. If Brother Branham is very happy. Qu'en est-il de moi? How about myself? Qu'en est-il de frère Elie? How about Brother Elijah? Nous devons être contents ce matin. We have to be happy this morning. Parce que notre père. Because our father. Il n'est pas seulement riche en argent. He's not only rich in money. Pas seulement riche en matériel. Not only rich in material things. Mais il est riche. But he's rich. En miséricorde. In mercy. Riche en miséricorde. Rich in mercy. Riche en miséricorde. In mercy. Frère Branham a dit, quelle parole remarquable que c'est là. Father Branham said, what a remarkable word is that? Nous étions autrefois morts. We were sometimes dead. Tu étais mort. You were dead. Tu crois ça? Do you believe in that? Tu étais mort. You were dead. Et l'argent ne pouvait pas t'aider. And money could not help you. Le bien matériel ne pouvait pas t'aider. The material things could not help you. Mais il fallait quelque chose d'autre. You were in need of something else. Cette chose-là, and that thing, c'est la miséricorde de Dieu. Is the mercy of God. La miséricorde de Dieu, the mercy of God, a produit la vie. Produce life. Amen. Amen. Là produit la vie. He produced life. Oh, j'aime la parole de Dieu. I love the word of God. J'aime comment le prophète est en train de me l'expliquer. I love how the prophet is explaining il to me. Il a dit que regardez, nous étions morts. He said, look, we were dead. Mais il nous a réanimés à la vie. But he has brought us back to life. Il nous a donné la vie. He has given us life. On ne donne pas la vie. You don't give life. Là où il n'y a pas de vie. Where there is no life. Amen. Amen. Pour qu'il donne la vie. So that he can give life. Ça veut dire qu'il y avait déjà la vie quelque part. There was already life somewhere. Hallelujah. Hallelujah. Cette prédication, this sermon, c'est pour enlever la peur. To remove the fear. C'est pour enlever les inquiétudes. To remove the worries. C'est pour se débarrasser de la peur. To remove away from fear. Et de savoir que tu es un enfant de Dieu. And to know that you are a child of God. No matter what, tu es un enfant de Dieu. You are a child of God. Et rien ne peut ôter cette identité. And nothing can remove that reality. Amen. Amen. Frère Branham a dit, but Branham says, qu'est-ce qui a causé ce changement? What caused that changement? Toi qui étais mort une fois. You were dead one time. Mais il t'a donné la vie. But he has given you life. Il t'a ranimé aujourd'hui. He has given you life. Il a dit, il y a un changement. He said, there's a changement. Il a dit, de la mort à la vie. From life to death. Amen. Amen. There is no other. Il n'y a pas d'autre. There is no other thing that could happen. Il n'y a pas d'autre chose qui pouvait arriver. To any person. À quelqu'un. So great. Plus grand, as to change him from death to life. Et de le changer de la mort à la vie. Il n'y a pas quelque chose de si spécial. There's nothing so special. Tu peux arriver à un homme. That can happen to a man. Que de le changer de la mort. To change him from death à la vie. To life. He did a man. He said un homme. If he was dying, si il mourait, physically, physiquement, and could be healed physically, et il pouvait être guéri physiquement, that would be a great thing. Ça serait une grande chose. But nothing so great. Bah, il n'y a rien si grand. As when he is spiritually dead. Quand il est mort spirituellement. And God, et Dieu, has quickened him to life. L'a remis à la vie. Tu étais spirituellement mort. You were spiritually dead. Mais Dieu qui est riche en miséricorde. But God is full of mercy. Il t'a retourné à la vie. He has brought you back to life. Il t'a donné la vie. He has given you life. Il n'y a pas une chose qui soit si spéciale. There is nothing more special. Qui soit glorieux. That was more glorious. Que de revenir à la than vie. To come back to life. Hallelujah. Hallelujah. Tu étais mort dans le péché. You were dead in sin. Aucun espoir d'aller au ciel. No hope.
go to heaven. Tu étais candidat d'aller en enfer. You were candidate to go to hell. Mais un homme est passé à ta place. But one day went before you. Le Seigneur Jésus Christ. The Lord Jesus Christ. Il a payé le prix. He paid the price. Et il t'a redonné la vie. And he has given you back. Aujourd'hui tu es candidat du ciel. You're a candidate to go to heaven. Et le diable ne peut rien te and faire. The devil cannot do anything. Peu importe ses intimidations. No, no intimidation. Le diable ne peut rien faire. The devil cannot do anything. Le diable n'a rien à te faire. The devil has nothing to do. Il peut amener la tristesse. He's bringing worries. Il peut amener les inquiétudes. Il peut amener la maladie. Il peut amener des accidents. Can bring accidents. Mais sa place est sous nos pieds. Place is under our feet. Parce que Jésus Christ, qui est riche en miséricorde, il est de notre côté. Us. Et à nous la victoire. To us the victory. Hallelujah. Hallelujah. Le Dieu qui est riche en miséricorde. Riche en miséricorde. Rich in mercy. Oh, une fois tu étais mort. One time you were dead. Tu étais mort. You were dead. Oh, frère Branham a dit. Oh, Brother Branham says. There's many here tonight. Oh, il y a plusieurs ici ce soir. One time. Une fois. You can look back. Vous pouvez regarder en arrière. And know that you were dead. Vous pouvez voir que vous étiez mort. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs dans cette salle. There's so many in this room. Quand tu regardes en arrière. When you look back. Il y a pas longtemps. Not long ago. Tu étais mort. You were dead. You were dead. Vous étiez mort. But now. Mais maintenant. Now. Maintenant. Now. Maintenant. Why you are dead tonight? Quand vous êtes là ce soir. Why? Pourquoi vous êtes là aren't ce soir? You dead tonight? Pourquoi vous n'êtes pas mort ce soir? Why? Pourquoi? Why aren't you dead tonight? Pourquoi vous n'êtes pas mort ce soir? Yes, you were dead yesterday. Vous étiez mort hier. Why? Pourquoi? You deserve to be that way. Vous méritez d'être comme cela. Because you was a sinner. Parce que vous étiez le pécheur. Tu étais un pécheur. You were a sinner. You deserve to die. Oh, vous méritez de mourir. You deserve to die. Vous méritez de mourir. But God. Mais Dieu. Who is rich in mercy. Qui est riche en miséricorde. Le Dieu qui est riche. The God who's rich. En miséricorde. Mercy. Il n'a pas voulu ta mort. He didn't want your death. Non, il n'a pas voulu ta mort. He didn't want your death. Il a voulu que tu sois en vie. He wanted you to be alive. Il t'a donné la vie. He has given you life. Aujourd'hui tu es ma sœur. Today you're my sister. Aujourd'hui tu es mon frère. Today you're my brother. Ce n'est pas à cause de l'argent. It's not because of money. Ce n'est pas à cause de ta beauté. It's not because of your beauty. Mais à cause de Dieu. And because of the God. Qui est riche en miséricorde. Who's rich in mercy. Il mérite tout ce qui est de bien. He deserves all that's good. Il mérite que tu les lèves au maximum. He deserves that you lift him up. Il mérite que tu les danses au maximum. He deserves for you to dance for him. Il mérite que tu les sers au maximum. He deserves for you to serve him the maximum. À cause de sa miséricorde. Because of his mercy. Oh, est-ce que Frère Branham a raison? Is Frère Branham right? He said you once was dead. C'est une fois vous étiez mort. Mort. Dead. Il dit même maintenant. He said even now. Ce soir ou ce matin. Oh, this morning or tonight. Il y en a plusieurs dans cette salle. So many in this room. Quand vous regardez en arrière. When you look back. Vous étiez mort. You were dead. Mort. Dead. Est-ce que Frère Branham a raison? Is Brother Branham right? Mais oui. Yes, he's right. Nous étions tous morts. We were all dead. Mais pourquoi nous ne sommes pas morts aujourd'hui? Why we ain't dead today? Pourquoi nous sommes en vie? Why we alive today? Pourquoi tu peux t'appeler chrétien? Why can you call yourself a Christian? Qu'est-ce qui fait que tu t'appelles What chrétien? What makes you call yourself a Christian? C'est pas ta beauté. It's not because of your beauty. C'est pas parce que tu es né dans une certaine It's famille. It's not because you're born in a certain family. Ce n'est pas parce que tu es quelqu'un. It's not because you're somebody. Mais il y a un homme bon. But there's a good man. Hallelujah. Hallelujah. Celui qui est passé à côté de Johnny le Corbeau. The one who went next to Johnny the Crow. Celui qui a déjà coupé la corde. The one who's already cut the string. Il t'a rendu libre. He has set you free. Il t'a redonné la vie. And he has given you life. Aujourd'hui tu es fier. Today you're proud. De parler même à Satan. To even speak to Satan. Pour lui dire que Satan tu ne peux rien faire. To Satan you cannot do anything. Mais tu dois croire à ça. Because you have to believe. Le diable ne peut rien te faire. C'est à cause de la miséricorde de Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous vous sentez bien? Are you feeling good today? Est-ce que tu te sens bien? Are you feeling good today? Est-ce que tu te sens bien? Are you feeling good today? Frère Branham a dit. Brother Branham says. Ne sous-estimez pas la force de Satan. Don't underestimate the strength of the devil. Le diable est puissant. The devil is powerful. Quelqu'un qui peut diviser le royaume de Dieu au ciel. The one who can divide the kingdom of God in heaven. Qui peut semer la division. Who can put division. Il est puissant. He's powerful. Il peut vous faire du mal. He can do. He can hurt you. Il est Satan. He's Satan. Il est le diable. Il est the devil. Il peut t'embrouiller la vie. He can mess your life up. And ne sous-estimez pas sa force. No, underestimate the strength. Sans Dieu. Without God. Le diable peut se jouer de the toi. Devil can
play with you. Mais gloire soit à Dieu. The glory be given to God. À cause de sa miséricorde. Of his mercy. Nous ne nous cachons pas dans notre intelligence. We don't hide ourselves in our intelligence. Mais nous nous cachons dans sa puissance. We hide in his power. Nous nous cachons dans sa gloire. We hide ourselves in his glory. Et tu peux regarder le diable droit aux yeux. Look at the devil straight in the eyes. Et lui dire que Satan, and tell him, Satan, tu n'auras rien dans ma you vie. Can have nothing tu n'auras pas mon enfant. You won't have my child. Tu n'auras pas ma femme. You won't have my wife. Tu n'auras pas ma santé. You won't have my health. Tu n'auras pas mes études. You won't have my studies. Tu n'auras pas mes projets. You won't have my projects. Parce que je suis caché à Dieu. Because I'm hidden in God. Hallelujah. Hallelujah. Quand tu es caché dans la miséricorde de Dieu, le diable ne peut rien faire. Il vient le matin, il vient le soir. Sœur Bénie, le diable ne te fera rien. Il peut amener l'accident. Il ne prendra pas ta vie. Je dis amen. Moi, je dis amen. Si toi tu dis pas amen, moi je dis amen. I say amen myself. Amen. Amen. À cause de la miséricorde de Dieu. Because of the mercy of God. Hier j'étais mort. Yesterday I was dead. Qui pouvait t'appeler chrétien? Who can call you a Christian? Qui? Who? Qui allait te connaître toi? Who could have known you? Qui allait t'appeler sa sœur? Who could have called you a sister? Oh, regarde celui qui est à côté de toi. Oh, look at the one who's next to you. Salue-le, dis merci Seigneur. Greet them, say thank you Lord. Pour mon frère. For my brother. Merci Seigneur pour ma sœur. For my sister. Amen, 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 amen. Hallelujah. 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 Oh, merci Seigneur Jésus. Oh, thank you Lord Jesus. Ni t'étais à cause de sa miséricorde. If it wasn't for his mercy. Comment tu peux appeler Christo ta sœur? How can you call Christo your sister? Vous n'êtes pas né dans la même famille. You're not even born in the same family. Vous n'êtes même pas du même pays. You're not even in the same country. Mais la miséricorde de Dieu. The mercy of God. A frayé un chemin. Made a way. Pour que nous devenions une famille. So that we can become a family. Une famille indivisible. A family that cannot be divided. Inséparable. That cannot be separated. Que le diable ne te trompe pas. Let the devil not lie to you. Nous nous séparerons pas. We will never separate nous ourselves. Sommes une famille. We are a family. Nous sommes unis. We are united. Et la chose qui nous unit. The thing that unites us est plus fort. Is stronger. C'est même le sang de notre even famille. The blood of our families. La chose qui nous unit, the thing that unites, c'est le sang de Jésus. The blood of Jesus. Le sang qui est rempli de miséricorde. The blood is full of mercy. C'est ça là nous unit. The blood nous us. Sommes indivisibles. We cannot be divided. Inséparables. We cannot be separated. Hallelujah. Hallelujah. À cause du Dieu. Because of the God. Qui est riche. Who's rich. En miséricorde. In mercy. Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Oh, merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Est-ce que vous vous sentez bien ce soir? Are you feeling good this morning? Débarrassez-vous de la peur. Remove the fear from you. Que la peur ne soit même pas dans votre cœur. Let the fear not be in your heart. Parce que vous êtes un enfant de Dieu. Because you are a child of God. Et vous ne serez jamais, jamais perdu. You will never, never be lost. Débarrassez-vous des inquiétudes. Remove your worries. Des questions inutiles que le diable donne. Useless questions that the devil gives. Je ne peux pas te laisser te poser des questions. He cannot let you answer. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Oh, am I a child of God or not? Parce que les problèmes t'embêtent. Because the issues are disturbing you. Tu as été fait avant les problèmes. All was done before the issue. Oh, I'm feeling just wonderful. Je me sens très bien. Tu as été créé avant les problèmes. You were created before your issues. Tu es plus ancien que tes problèmes. You are older than your issues. Que le diable ne te tourmente pas. Let the devil not torment you. You are powerful. Et tu dois monter. You have to go higher. Dans cette année, tu dois monter. This year, you have to go higher. Peu importe combien la pesanteur te dit. No matter what the gravity is pulling mais you. Mais tu dois monter. You have to go higher. Tu dois monter. You have to go higher. Tu dois monter. You have to go higher. Pas à cause de tes efforts. Not because of your efforts. Mais à cause des miséricordes. Because of the mercy. De notre Père. Of our Father. Notre Dieu. Our God. Alléluia. Alléluia. Oh, je crois que vous vous sentez bien. I believe you're feeling good. Oui, oui, vous devez vous sentir bien. Yes, you have to feel good. Et Frère Branham dit ceci. And Brother Branham says this. Oh, merci Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Frère Branham dit. Brother Branham says. Je vais maintenant injecter un peu de doctrine ici. I will inject a little doctrine here. Ça c'est Frère Branham. This is Brother Branham. Il dit même si vous ne croyez pas ça. He said even if you don't believe in that. Moi je crois à ça. I believe in that. Ça c'est Frère Branham. This is Brother Branham. Vous voulez écouter ça? Do you want to hear it? Vous voulez écouter la doctrine? Do you want to hear the doctrine? Vous voulez manger ça? Do you want to eat it? Are you ready? Vous êtes prêts? Frère Branham a dit. Brother Branham says. I might inject some, just a little bit of doctrine here. Je peux injecter juste un peu de doctrine ici. If you don't believe it. Si vous ne croyez pas ça. It's all right. C'est normal. That's just okay. C'est bien. But I do believe it. Moi je crois ça. I believe it. Je crois ça. So what Brother Branham believe? Qu'est-ce que Frère Branham croit?
He said, I believe that a man, il dit, je crois qu'un homme, when he is born in this world, quand il est né dans ce monde, that when you are a little baby, quand vous êtes un petit bébé, born into the world, né dans ce monde, you could not have been here, vous ne pouvez pas être ici, without being the full knowledge of God, sans être la puissance de Dieu. Because parce que he is infinite, il est infini, infinite, il est infini, and he knows all things, et il connaît toutes choses. And when that little baby is born, et quand ce petit bébé est né, into the world, dans ce monde, there is something in that baby, il y a quelque chose dans ce bébé. If he is ever going to have life, si il doit avoir la vie, there is a little something in there, il y a quelque chose là à l'intérieur, in that child, à l'intérieur de cet enfant. Hallelujah, hallelujah, that he comes to. Quand il vient, il arrive. Sooner or later, oh, tôt ou tard, that little seed is in him. Cette petite semence qui est à l'intérieur de lui. Now, if you will take proper, si il n'a pas fini, the scriptures plainly declares that. Les écritures le disent. Now, maintenant, if you've got eternal life tonight, si vous avez la vie éternelle ce soir, if we have eternal life, si nous avons la vie éternelle, then we always were. Donc nous avons toujours été. Ha! We always, nous avons toujours, where, été. Why? Pourquoi? Because there is only one form of eternal life. Parce qu'il y a une seule forme de la vie éternelle. We always were, nous avons toujours été. And et the reason we were, et la raison pour laquelle nous étions. Because we are a part of God. Parce que nous sommes une partie de Dieu. And God, et Dieu, is the only thing that is eternal. Il est la seule chose qui est éternelle. Do you believe it? Vous croyez cela? Voilà ce que Branham croit. Tu ne peux pas avoir la vie éternelle aujourd'hui. You cannot have eternal life today. Si tu n'as jamais été dans la pensée if de you Dieu. Never was in the thought of God. Tu as déjà été dans la pensée you de Dieu. You were in the thinking of God. Pendant que le diable n'était pas. While the devil was not. Que le diable n'était pas. The devil intimidated you. Dis-lui, je suis plus fort tell que toi. I'm stronger than you. Moi, j'étais dans la pensée I de was Dieu. In the thought of God. Avant la fondation before du monde. The foundation of the world. Et je retourne chez Dieu. I will go back to God. Mon origine. My origin. C'est aussi ma destinée. It's also my destiny. Je viens de l'éternité. Glory. Je retourne dans l'éternité. Et maintenant Christ est à moi. L'espérance de la gloire. Hope of glory. Je ne peux pas avoir peur. I cannot be scared. Pas peur de l'ennemi. Not be scared of the enemy. Pas peur de la nuit. Not be scared of the night. Pas peur des flèches qui survolent la nuit. Not be scared of the arrows that walk through the night. Parce que celui qui est à moi. Because the one who's in me. Il est plus fort. Is stronger. Que celui qui est dans les vents. The one who's in this world. Que seuls les enfants de Dieu disent amen à ça. Let only the children of God say amen to that. Hallelujah. Hallelujah. Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God is full of mercy. Vous étiez en Christ. You were in Christ. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Dieu a placé sa parole en toi. God has placed his word in you. Vous croyez à ça? Do you believe in that? Dieu a mis sa parole en toi. God has placed his word in you. Il a mis une représentation de sa parole en toi. He has put a representation of his word in you. Oh, je dois vraiment lire ça. Oh, I have to read it. Parce que ça fait du bien. Because it makes me feel good. Ça fait vraiment du bien. It makes us feel good. Frère Branham dit ceci. Brother Branham says this. Il dit beaucoup d'entre vous ce soir. It's so many of you tonight. Ils pourront être en communion avec moi dans cette pensée. Can be in fellowship with me in this type thinking here. Oui, Frère Branham, moi je suis le premier. Yes, Brother Branham, the first one. Il dit quand vous étiez un petit garçon. Say when you were a little boy. Ou quand vous étiez une petite fille. Or when you were a little girl. Quand vous vous promeniez. When you were walking around. Il y avait certaines choses qui ça ne troublait pas les autres enfants. There were certain things that were not troubling other children. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose en vous qui s'est crié. But it seems that there was something new shouting. Ça ne troublait pas les autres it enfants. It wasn't troubling the other kids. Mais en toi il y a quelque chose qui s'est crié. There is something that's screaming. En toi, in you, il y a quelque chose de spécial. There's something special. Dont les autres enfants n'ont jamais eu. Other children never had. En toi, in you, il y a des visions. There's visions. Il y a la vie de prière. There's a life of prayer. Il y a une certaine connexion. There's a certain connection. Depuis que tu étais un enfant. Since you were a little boy. Depuis ton enfant. Since you're a little boy. Toi-même tu voyais. You yourself can see. Je suis un peu bizarre. I'm a little weird. Je ne suis pas comme les autres. I'm not like the others. Il y a une certaine profondeur there's dans mon cœur. There's a certain deep in my heart. Dont je n'arrive pas à comprendre. That I cannot understand. Mais pourquoi ça m'attire vers ça? Why is it bringing me to pourquoi that? Pourquoi je rêve de Dieu? Why am I dreaming of God? Pourquoi j'aime aller à l'église? Why do I love going to oh, church? Je me sens religieux. I'm feeling religious. Pourquoi j'aime être à côté de la Bible? Why do I love being next to the Bible? Il y a quelque chose de spécial. There's something special. Quelque chose dont les autres n'ont pas. Something that others don't have. D'autres filles n'ont pas. Other girls don't have.
D'autres garçons n'ont pas. The boys don't have. Tu essaies de fumer. You tried to smoke. Mais ça n'a pas marché. It did not work. Tu essaies de mettre les pantalons de femme. Put the pants on the women. Ça n'a pas it marché. Did not work. Tu essaies d'aller dans la boîte de nuit. You tried to go to the nightclub. On t'a arrêté en route. They stopped on the way. Quand tu essaies de faire quelque when chose. You tried to do something. Ça ne tient pas. It does not work. Mais qu'est-ce qui n'allait pas? What's happening? Quelque chose en toi. Something in you. C'est crier. It's shouting. Est-ce que vous voulez savoir c'est quoi la do you chose? Know what's that thing? You vous know? Écoutez ça. Do you want to hear it? Branham a dit. Branham Branham said. Il y avait Dieu quelque part. There was God somewhere. Quand tu étais encore un enfant. When you were just a little child. Un jeune garçon. A young boy. Un petit, une petite fille. Just a young little girl. Il y avait encore Dieu là-bas. There was still God there. Tu n'as pas cru le message. You didn't believe the message. Tu n'as jamais connu Branham. You never knew Branham. Tu n'as jamais été dans une église de réveil. You never been a church. Mais il y avait Dieu quelque part. There was God somewhere. Somewhere. Oh, que les aigles disent amen. Il y avait Dieu quelque part. Quelque part dans les cœurs. Somewhere in your heart. Il y avait une profondeur. There was a deep qui t'a tiré vers la divinité that was de Dieu. You the qui t'a tiré vers des choses célestes. That was you to heavenly things. Qui t'a mené à t'affectionner. That was you to love les choses des cieux. The things of above. C'était quoi, frère? What was it? What Abraham said. Il y avait Dieu quelque part. There was God somewhere. Et pourtant, and why? Vous étiez un pécheur. You are a sinner. Vous vous en souvenez? Do you remember that? Abraham demande, vous vous en souvenez? My brother said, remember that? Vous étiez un pécheur. You are a sinner. Dans ton état de péché. Or in the state of a sinner. Il y avait Dieu quelque part. There was God somewhere. Oh my. Oh la 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 la. Et si je n'étais pas perdu hier. And if I wasn't lost. So you tell me how can I get lost et today? Dites-moi comment je peux me perdre aujourd'hui. There is not a way for you to il get n'y a lost pas un today. Chemin pour vous de se perdre. Si hier je ne pouvais pas tomber, if this, I wouldn't fall. Pendant que j'étais un péché. No, I was a sinner. So you tell me how today dis-moi I get maintenant fall. Comment je peux tomber pendant ce soir. Que tu as mangé des âmes. Tu as goûté la bonté de Jésus. The goodness of Jesus. Tu as goûté la bonté du message. Comment est-ce que les diables peuvent se jouer de toi? How can play with you? Alléluia. Alléluia. Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God is rich in mercy. Oh my. Oh la 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 la. Vous voulez que je continue un peu? Do you want me to move forward? Madame dit il y avait un Dieu qui était quelque part. My brother said there was a God somewhere. Il dit qu'est-ce que cela était? He said what was that? C'était cette petite forme de vie. It was that little form of life. Qui était à l'intérieur de vous. That was inside of you. Dans cette époque-là. In that time, une forme de vie, a form of life, éternelle, eternal, qui était en toi, that was inside of dans you, dans cette époque-là, during that time, dans ton état de péché, in your state of a sinner, mais tu n'étais pas un péché comme you ton cousin, like all your cousin. Hallelujah. Tu n'étais pas un péché, you were not a sinner, comme ta cousine, like your cousin, malgré que vous étiez tous des péchés, even if you were all the sinners, mais en toi il y avait une autre chose, but in you there was something else, qu'on appelle la vie éternelle, that we call eternal life. Tu étais un péché. You are a sinner. Tu acceptes ça. Do you believe in that? Parce que hier tu étais mort. Because yesterday you were aujourd'hui dead. Tu es en vie. Today you are alive. Mais bien que tu étais mort. But even though you were dead. Tu n'étais pas comme tous les autres. You were not like other, the other dead dans ton corps là. In your body. Malgré que tu étais mort. Even if you were dead. Il y avait une sorte de vie. There was a certain form of life. Une vie. A life. La vie éternelle. Eternal life. Il y avait Dieu quelque part. There was God somewhere. Dieu habitait en toi. God was dwelling il in a placé you. Sa représentation. He placed his representation. Dans ton âme. In your soul. Quand est-ce qu'il a fait ça? When did he place avant it? Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Comment il a fait ça? How did he do it? Par sa prescience. By his prescience. Par son élection. By his election. Il t'a choisi. He chose you. Il a laissé les autres. He left the others. Mais il a pensé à toi. And he thought of you. Quand il a pensé à toi. When he think of you. Il devait te donner un signe. He had to give you a sign. Il a pris la parole. He took the word. Qui n'est rien d'autre que lui-même. It's only himself. Il a placé ça en toi. And he placed it in you. Hallelujah. Hallelujah. Merci Seigneur pour le message. Thank you Lord for the message. Sans le message, comment je saurais ça? Without the message, how will I know this? Et Frère Branham a dit, and Brother Branham says, quand tu as fait ça, when God has done that, ensuite, after, au bout d'un certain temps, during a time, vous avez entendu l'évangile. You heard the gospel. Quand vous écoutez l'évangile, when you heard the gospel, ce n'était pas comme tous les autres cadavres. It was only like the other dead. Tu entends ça avec une autre oreille. You heard it with another ear. Avec une autre oreille. With another ear. Pourquoi? Why? Parce que Dieu a placé ça en toi. Because God has placed it je in vais lire, you. Écoutez ce que Branham. I will read. Let's oh, God je me sens bien. I am feeling good this morning. J'ai envie de sauter un peu là. I'm feeling like jumping. Parce que le diable doit avoir des coups fatales. The devil has to be hit very strong. Listen. Écoutez. Au bout d'un certain temps. During a certain time, vous avez entendu l'évangile. You heard the gospel. Peut-être que vous allez à l'église. Maybe you were going to church. Vous broutiez ici et là. You were eating there and there. There you go.
Et vous passiez d'une dénomination à l'autre. And you were passing from a denomination to another. Tu ne voulais pas ça. You didn't want that. Mais il y avait une profondeur. But there was a deep. Qui est en train de chercher une autre profondeur. That was calling to another deep. Et Frère Branham a dit. And Brother Branham says. Quand il y a une profondeur qui appelle. When there's a deep calling. Il doit y avoir une autre profondeur. There has to be another deep. Pour répondre. To respond. À cet appel. To that calling. Parce qu'il est Dieu. Because he's God. Vous croyez à ça? Do you believe in that? Vous partiez d'une dénomination. You are going from a denomination. À une autre dénomination. To another denomination. Mais un jour. But one day. Un jour. One day. Pas deux jours. Not 2 days. But one day. Mais un jour. One day. Un jour. Un jour sur le chemin. One day on the way I was walking. Et j'entendis ça. And I heard his voice. One day. Un jour. Puisque vous étiez une partie de Dieu. Because you are a part of God. Est-ce que tu comprends ça? Do you understand that? Tu étais péché. You were a sinner. Mais tu étais toujours une partie. But you were de still Dieu. A part of God. Quand tu partais dans l'église catholique. When you go in the Catholic church. Quand tu partais chez les musulmans. When you go to the Muslims. Quand tu partais dans n'importe quelle église. When you go to any church. Tu étais churches. Toujours une partie de you Dieu. You were still a part of God. Puisque vous étiez une partie de Dieu. Because you are part of God. Vous deviez être une partie de la parole. You had to be a part of the word. Et quand vous avez entendu la parole. When you heard the word. Et vous avez su d'où vous veniez. You knew where you came from. Et vous avez reconnu la vérité. And you recognized the truth. Qu'est-ce qui fait ça? Quel est ce mécanisme là? What makes it work? What's the mechanism? Tu étais en Dieu. You were in God. Tu avais Dieu. You had God. Tu es devenu une partie de Dieu. You became a part of God. Et parce que tu étais une partie de Dieu. And because you were part of God. Tu pouvais naviguer dans différentes églises. You can wander in different churches. Il y a rien qui allait attirer. Nothing could attract. Mais il y a toujours une profondeur qui appelle. But there was still a deep calling. Et un jour tu as entendu l'évangile. And one day you heard the gospel. Peut-être que tu as entendu ça par la radio. Maybe you read it from the radio. Par la télévision. By the television. Ou peut-être que tu as ramassé un papier de brochure. Or maybe you picked up a message book. Là on a écrit que Jésus est le même hier. Where they wrote on Jesus. Aujourd'hui éternellement. Today and forever. Et quelque chose. And something. Quelque chose. Something. Commencez à taper dans ton cœur. Started hitting in your heart. Et tu as su d'où est-ce que tu venais. And you understood where you came from. Tu as reconnu you recognize your origin. Hallelujah. Hallelujah. Que quand tu as écouté la parole, so when you heard the word, c'est comme un homme qui vient de faire les tests d'ADN. It's like a man who just come from doing a test. Automatiquement, il reconnaît. He clearly recognizes ses origines. His origin. Je viens de la parole. I come from the word. Je viens de l'éternité. I come from eternity. Ce monde n'est pas mon pays. This world is not my land. Il m'a laissé sur la terre. He has left me on this earth. Et je ne suis pas de la terre. Not of this earth. J'ai un pays. I have a country. Hallelujah. 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 Et vous avez reconnu. You say you've recognized the truth. Pourquoi? Why? Parce que vous avez toujours été. Because you are. Always been. La semence. Always been the seed. Avait toujours été en vous. The seed was always in you. La semence. The seed. Que la parole. Which is the word. Était toujours en vous. Was always in you. Et? And la parole a vu la parole. And the word seen the word. La parole qui était en vous, the word that was in you, qui existait avant la fondation du monde, that was existing before the foundation of the world, a vu la parole qu'on vient de prêcher. He's seen the word that we come from preaching. Et vous êtes venu à elle. And you came towards her. C'est la parole qui attire la parole. It's the word attracting the word. La parole qui voit la parole. The word seeing the word. C'est pourquoi toi tu ne peux pas tomber. That's why you cannot fall. Parce que tu n'es pas comme la première Ève. Because you're not like the first Eve. Toi tu as déjà eu la parole. You have already received the word. Avant la fondation du monde. Before the foundation of the world. Et aujourd'hui que la parole est prêchée. And today the word is preached. La parole reconnaît la parole. The word recognizes the word. Et tu reconnais tes origines. And you recognize your origin. Tu retournes dans la maison. You go back in the house. Il n'y a pas de chance pour être perdu. There's no chance to be lost. Il y en a pas. There's no chance. Il y en a pas. There's no chance. Je viens de Dieu. I come from God. Je retourne chez Dieu. I go back to God. Je viens de l'éternité. I come from the eternity. Je rentre dans l'éternité. I am going back to the eternity. Qu'est-ce qui a produit ça? What has produced that? La grande miséricorde de Dieu. The great mercy of God. C'est la même chose pour chaque un de nouveau. It is the same thing of all believers believe in the new. Vous aurez beau entendre toute la théologie que vous voudrez. You can hear whatever theology you want to hear. Toute la discorde faite de mains d'hommes. All the discord done by human hands. Mais quand la parole. But when the word. Émet sa lumière là-bas. Puts its light there. Alors. Then.
il y a quelque chose qui s'empare de vous. There's something that gets a hold of you. Et vous venez vite à elle. And you come towards her. Vous qui étiez autrefois mort. You were once dead. Par vos péchés. By your sins. La parole vous a rendu à la vie. The word has brought you back to life. Mais pour être retourné à la vie. To come back to life. Le prophète dit, il faut d'abord qu'il y ait une vie à vous. The prophet said there have to be a life in you. Il faut qu'il y ait la vie. There have to be life. S'il n'y a pas de vie, if there's no life, il n'y a pas moyen de retourner à la vie. There's no way to go back to life. Il y a une représentation. There's a representation. Que Dieu a déjà placé dans chacun de ses enfants. That God has placed in this one. Et ces enfants-là, and those children, on ne peut pas leur dire dites amen. You cannot tell them to say amen. On ne peut pas leur dire danser pour Dieu. They cannot tell them dance for the Lord. On ne peut pas leur dire soyez dans la joie. They cannot tell them be in joy. Vous savez pourquoi? You know why? Parce qu'ils ne sont pas des créatures d'aujourd'hui. Because they're not a creature of today. Ils sont des créatures de l'éternité. They're a creature of the eternity. Où étais-tu, Job? Where was you, Job? Quand j'ai placé les fondements de la terre. When I put the foundation of the world. Quand les êtres étaient là. When the things were quand there. Quand ils poussaient des cris. When they were shouting your joy. Quand ils jubilaient. When they were jubilant. C'est nous qui étions là. It was us being j'étais there. À lui. I was in him. J'étais en lui I was in him avant la fondation du monde. Et aujourd'hui, je suis manifesté. Manifested. Il n'y a aucun prédicateur no qui peut me dire dites amen. That can tell me to say vous amen. Soyez dans l'onction. Be under the anointing. Vous soyez dans la joie. Be under the joy. Parce que je dois reproduire ce que j'étais what I was quand j'étais en lui. When I was in him. Hallelujah. Hallelujah. Quand j'étais en lui, when I was in him, j'étais puissant. I was powerful. J'étais sous l'onction. I was under the anointing. Quand il a créé le soleil, when he created the sun, j'étais là. I was there. Quand il a créé la lune, when he created the moon, j'étais là. I was there. Je chantais. I was singing. J'ai glorifié Dieu. I was glorifying God. À lui. I was in him. Hallelujah. Hallelujah. C'est la loi de l'identification. It's the law of the identification. Papa Nama dit. Papa Nama says. Si tu ne le sais pas. If you don't know it. Tu deviens amnésique. You become. You have amnesia. Tu es en train d'oublier. You are forgetting. N'oublie pas tes origines. Don't forget your origin. J'étais à lui. I was in him. J'étais à lui. I was in him. Quand il plaçait les fondements when de la terre. When he was placing the foundation of the earth. J'étais à lui. I was in him. C'est là qu'on s'était vu. That's where we met each other. Amen. Amen. Et aujourd'hui quand tu marches. And today when you're walking. Tu vois quelqu'un comme Frère Nyati. You see someone like Brother Nyati. Quand tu le regardes. When you look at him. Tu commences à lui poser des questions. You start asking him a question. Viens. Oh man. C'est comme si dans mon nom quelque part. It seems like I've seen you somewhere. C'est comme si dans Yebio. It seems like I've seen oh, you. Oh yes. Oh yes. Oh Yebingai. You know me. Nous étions dans Jésus. We were in Jesus. Nous étions dans l'éternité. We were in the eternity. Nous étions des frères là-bas. We were brothers there. Aujourd'hui nous and sommes today, manifestés. We are manifested. Pour mettre le diable mal à l'aise. To put the devil out of order. Le diable ne peut jamais être à l'aise. The devil cannot be comfortable. Là où nous sommes réunis ensemble. Where we are gathered together. Parce que Branham a dit. Because Branham said. Chacun de vous une colonne each de one has a pillar of fire. Chacun de vous a Dieu. Each one of us quand nous venons ensemble. When we all come together. Ça devient une grande colonne de feu. A great pillar of le fire. Le diable ne peut rien and nous faire. The devil cannot do anything. Qu'il joue avec toi chez toi à la maison. Let him play with you at home. Qu'il te donne la lourdeur chez toi à la maison. Let him give you heaviness at home. Qu'il te donne des maladies chez toi à la maison. Let him give you sickness at home. Une fois arrivé ici, when you get in here, c'est notre ambassade. It's our embassy. Le cancer n'entre pas. The cancer doesn't come in. Alléluia. Alléluia. La tuberculose n'entre pas. Tuberculosis doesn't come in. Est-ce qu'il y a des gens qui ont déjà été dans l'ambassade? There's people who have been in the embassy here. Surtout l'ambassade des États-Unis. There's been an embassy of the United States. Avant d'entrer, before getting in, they need to check you. On doit te checker. They need to check your body. On doit te checker ton, on doit checker tu dois entrer pour qu'on voit. You have to get in so they est-ce can see. Est-ce qu'il y a des objets métalliques? Does he have any metal things? Si tu as le couteau, tu n'entres if pas. If you have a knife, you don't get in. Si tu as l'arme, tu n'entres if pas. If you have a gun, you don't get in. Tout ce que tu as de métal, ça n'entre pas. Whatever you have metallic thing. Dans cette église. In this church. À la porte. In this door. Il y a cet instrument qui est. There's this instrument. Et il y a Gabriel qui est d'un côté. There's Gabriel on the other side. Il y a Michael de l'autre côté. Michael on the other side. Il y a toute l'armée de l'éternel. There's the entire army of heaven. Il se met à la porte. That's standing at the door. Le diable n'a pas d'accès. And the devil doesn't have any access. Le cancer n'a pas d'accès. The cancer doesn't have any access. La tuberculose n'a pas d'accès. Tuberculosis doesn't have any access. Les allergies n'ont pas d'accès. Allergies don't have any access. Parce que Dieu est là. Because God is here. Amen, 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 amen. Hallelujah. Hallelujah. Il y a des enfants de Dieu qui sont ensemble. There's the children of God together. Dieu ne peut être que là. God has to be there. Hein? L'archange doit être là. Oh, dear. All can just la be there. Colonne de feu doit être là. The pillar of fire has to be there. Le diable ne peut rien faire. The devil cannot do anything. Why? Il ne peut rien faire. Oh no, he can't do anything. Oh non, il m'a attaqué, il n'est pas. Oh yes, no, he did not attack you. Il ne peut pas entrer avec les fusils. He cannot get in with your gun. Il y a Gabriel à la porte. There's Gabriel at the door. Il y a Michael à la porte. There's Michael at the door. Il est désarmé avant d'entrer. Oh, we are disarming them before ils sont désarmés avant d'entrer. Disarmed before coming. Ils ont peur dans cette église. They're scared in this church. Parce que
de l'armée de l'Éternel. Because the army of heaven. Hallelujah. 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 Vous ne voyez rien parce que vous êtes des enfants de you Dieu. You don't see anything because you're a child of vous God. Vous devez croire que Dieu est là. You have to believe that God is here. Mes amis les sorciers. But my friend the witchcraft. Ils sont en train de voir ce que they je dis. They are what I'm saying. Ils voient l'ange de Dieu. They are seeing the angel of the ils Lord. Ils voient la colonne de they feu. They are seeing the pillar of fire. Ils voient qu'il y a une nuée qui m'entoure. They are seeing the angel. Ils voient que l'armée de l'Éternel est au milieu de nous ce matin. It is among us this morning. Hallelujah. Hallelujah. Je me sens bien. I am feeling good. Je me sens bien. I am feeling good. Un enfant de Dieu. A child of God. Tu peux pas être intimidé par le diable. You cannot be intimidated by the devil. En toi il y a Dieu. In you there is God. Je te dis la vérité. I am telling you the truth. En toi il y a Dieu. In you there is le God. Le diable le sait. The devil knows it. Le magicien le sait. The magician knows it. Le franc-maçon le voit. The Freemason can see him. Et toi tu le crois. And you believe him. Sometimes you can feel it. Et des fois, vous pouvez le sentir. Il y a des fois quand tu marches. And sometimes when you walk. Tu peux sentir que je ne suis pas seul. You can feel that I'm not alone. Il y a des fois quand tu pries. And sometimes when you pray. Tu peux sentir que je ne suis pas seul. You can feel that I'm not alone. Oh, j'ai envie de sauter. Oh, I'm feeling jumping. Il y a des fois quand tu es en train de chanter. Sometimes when you're singing. Tu peux savoir que je ne suis pas seul. You can feel I'm not alone. De l'armée de l'Éternel. The army of heaven is around me. Amen. Tout deviendra des problèmes. Where will come the issues? C'est des fois quand tu entres dans la prière. There's sometimes when you get into prayer. Il n'y a pas moyen de l'arrêter. There's no way to stop. Parce que tu sens. Because you're feeling. Qu'il y a un être que je ne vois pas. There's a master that I cannot see. Mais il est à côté de moi. That is beside quand me. Quand il te sent, tu le sais. When he comes down, you know it. J'ai dit quelque chose. Am I saying something? Quand il te sent, tu le sais. When he comes down, you know it. Ne me dis pas que quand l'onction vient, tu ne sens pas. Don't tell me when the anointing comes, you don't feel it. Tu vas sentir. You're gonna feel it. Que ça vient. That is coming. Ezoya. That is coming. Ezoya. That is coming. Ezoya. That is coming. Hallelujah. Hallelujah. Panama dit je sens que ça vient. But I'm really saying I'm feeling that. Il dit inclinez-vous. He said bow. Lui-même il a ôté le chapeau. He removed his hat. Parce qu'il attendait qu'il vienne. Because he was waiting for him. Quand il vient tu le sauras. When he comes you will know it. Tu sauras que Dieu est là. You will know that God is here. Comme maintenant je sais qu'il est là. Like now I know that he's here. Comment tu peux me dire le contraire? How can you tell me contrary? À ce moment Dieu peut te guérir. This time God can heal you. Dieu peut te délivrer. God can deliver you. Dieu peut restaurer quelqu'un. God can restore someone. Tu ne peux pas attendre la fin de la réunion. You cannot wait for the end of the meeting. Non, Dieu est en train de travailler no, maintenant. God is working now. Tu dois être connecté à la chose. You have to be connected to the thing. Connecté à sa puissance. Connected to his power. Parce que sa parole a la puissance. Because his word has power. Il a dit. He said. Il leur a envoyé la parole. He sent them the word. Et la parole a fait quoi? And what did the word do? La parole les a guéris. The word healed them. La parole guérit. The word heals. Quand nous prêchons, il y a une puissance. When we preach, there's a power. Qui guérit tes problèmes. That heals your issues. Parce que tu es en train de reconnaître ta position. Because you're recognizing your position. J'étais un Dieu. I was God. Amen. 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 Avant que vous soyez ranimé, before you came back to life, il faut qu'il y ait une vie quelque part. There has to be a life somewhere. Donc aujourd'hui, je t'apprends. Oh, today I'm teaching que you. Même quand tu étais pécheur, that even if you were when you were pécheur là, a sinner, il y avait une vie en toi. There was a life in you. Qui peut-être n'était pas manifesté encore. Maybe it wasn't manifested yet. Mais il y avait toujours une chose. But there was always something. Il y avait une semence. There was a seed. Qui attendait la lumière. That was waiting for the light. Et quand tu as écouté la lumière. When you heard the light. Quand tu as vu la lumière. When you seen the light. Comment je peux reculer dans les dénominations? How can I go back to the denomination? Comment je peux aller faire Père, Fils et Saint-Esprit? How can I do Father, the Son, and the Holy Spirit? Je connais que Père, Fils et Saint-Esprit. I know the Father, Son, the Holy Spirit. C'est une seule personne. It's just one person. C'est Dieu lui-même. It's God Himself. Comment je peux faire Père, Fils, Saint-Esprit? How can I do Father, Son, and the Holy Spirit? Comment je peux me baptiser au nom du Père, Fils, Saint-Esprit? How can I get baptized by the Father, Holy Spirit? C'est impossible. It's impossible. Le baptême c'est au nom de Jésus. The baptism is in the name of Jesus Christ. Le mariage c'est au nom de Jésus. The marriage is in the name of Jesus Christ. Tout ce que nous faisons, all that we do, c'est dans le nom de Jésus. It's in the name of Jesus Christ. Amen. 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 Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. For what I'm saying. Brother Branham says. En effet, quand Dieu vous avait dans ses pensées. See, when God had you in His thinking. Au commencement. At the beginning. Forcément que vous. Really, you were. Qu'une partie de vous.
There was a part of you. Votre vie qui est en vous maintenant. Your life that's in you now. Devait être avec Dieu avant que. Had to be with God before it didn't finish. Il y a pas moyen que ça vienne comme ça dans la vie. He cannot just come empty-handed like that. C'est déjà un plan bien établi. It's already a plan really made. Vous étiez en Dieu. You were in God. Il y a une partie de vie. There was a part of life. De Dieu qui était en vous. That was in you. Votre vie éternelle. Your eternal life. Ça a déjà été en vous avant la fondation. Was already in you before the foundation of et the world. Vous étiez une partie de Dieu. You were a part of God. Madame dit même la vie que vous avez aujourd'hui. Abraham said even the life that you have today. Eh bien, c'était en vous quand vous étiez dans la pensée de Dieu. It was in you when you were in the thinking of God. Pas maintenant. Not now. Écoutez, il dit avant même qu'il prenne une forme physique ici sur terre. He said before he even took a physical form here on the avant earth. Avant qu'il y ait quoi que ce soit sauf Dieu. Before he had whatever except God. Vous étiez un de ses attributs. You were one of his attributes. Écoutez-moi ce mystère. Listen to me. Listen il to me. Il savait quel serait votre nom. He knew what your name will be. Il savait. He knew. Quel serait votre nom. What your name will be. Mais dis que même le nom que tu portes. It means even the name that you have. Ça ne vient pas de tes parents. It does not come from your parents. Mais c'est Dieu. But it's God. Qui a placé ça en eux. That placed them in them. Pour qu'ils m'appellent à ta place. So they can call me Oedipus. Pour qu'ils t'appellent par ton nom. So they can call you by your name. Ça ne vient pas des noms. It does not come from a man. L'homme ne peut pas penser à un nom pour te donner. A man cannot think of a name to give you. Mais c'est Dieu. But it's God. C'est Dieu. It's God. Abraham dit qu'il savait. But Abraham said he knew. Quel serait votre nom? What would be your name? Il savait. He knew. De quelle couleur seraient vos cheveux? What color would be your hair? Quand tu mets les mèches oranges. When you put some hair, Dieu ne te connaît pas comme ça. God does not know you have orange hair. Tu mets tes cheveux bleus. You put in blue hair. Dieu ne reconnaît pas ça. God does not recognize that. C'est comme tes fingerprints. It's like your vos empreintes. Quand tu entres dans la maison de Dieu. When you get in the house of God. Il te scanne ton corps. He's scanning you. Il ne te reconnaît pas. He does not recognize you. Parce qu'il ne reconnaît pas ses cheveux. Because he doesn't recognize those hairs. C'est pourquoi soyez naturel. That's why be natural. En plus que tu peux l'être. And because you can parce be. Parce que Dieu connaît même tes cheveux. Because God even knows your hair. Parce que je cache les cheveux. Oh, Pastor, I'm hiding my hair. Parce que ça commence à grisonner. Because it's becoming gray. Dieu, God, il savait. He knew. Quels seront. What will be. La couleur de vos cheveux. The color of your hair. Dieu le savait. God knew it. Pasteur, oh, Pastor. C'est parce que les cheveux commencent à partir. Oh, the hair is removing. Frère Benoît dit, Dieu savait. God knew. Quelle serait la couleur de votre what cheveux. What will be the color of your hair. Toutes les raisons que tu peux donner, all c'est the reason that you give is good. Mais Dieu connaît l'authenticité. But God knows the authenticity. Le naturel. The natural. La manière dont tu t'as créé. The way he created you. C'est comme ça que Dieu connaît. That's how God knows it. Amen. Amen. L'homme fait l'effort d'être toujours jeune. Oh, the man is doing an effort to be always young. Il ne veut pas vieillir. He doesn't want to get old. Il ne veut pas vieillir. He doesn't want to get old. Il avance un peu en âge. He's moving in age. Dieu l'aide à devenir un peu vieux. God is helping him to become a little old. Comme Frère Nyati. Nyati. Il dit non, Dieu n'est pas intelligent. He said God is not smart. Comment Dieu peut me laisser avec des gray hairs? How can God leave me with the cheveux blancs? No. Oh no. Et pourtant c'est à Walmart. Why you in Walmart? Il y a des produits qui peuvent me rajeunir. Oh, this medicine I can put that can Dieu n'est pas longer. D'accord avec ça. God is not agreeing with that. Parce que Dieu t'a créé. Because God created avec you. Des certaines étapes de with ta vie. Certain steps in your life. Il y en a l'étape où tu n'as pas de cheveux. Oh, the step where you have no hair. Comme un enfant. Like a little child. Et après tu es en train de grandir. And then you start growing. Les cheveux sont en train de pousser. Your hair is growing. Et après. And then after. Tu deviens comme Frère Nyati. You become like Brother Nyati. C'est normal. It's normal. C'est normal. It's normal. Hier j'ai regardé mon fils David. Yesterday I was looking at my son David. Benito était en train de le coiffer. Benito was cutting his hair. Il lui a fait vraiment une très belle coiffe. He did a really good haircut. Je lui ai dit ah David. I said oh David. Moi ton père j'étais comme toi. Your father was like you. J'avais les cheveux partout juste. I had hair until there. Mais aujourd'hui. But today. Regarde ton papa. Look at your dad. Il y a un trou ici. There's a hole there. Il y a un gros trou là-bas. Oh, there's a big hole back there. J'ai dit je me console. I said I'm comforting parce myself. Parce que bientôt tu vas me rejoindre. Because soon you're rejoining. Non papa, non papa. No dad, no dad. Non papa. Oh no dad. Mais c'est ça le chemin normal. But that's the normal way. C'est normal. It's normal.
Il y a un temps pour tout. There's a time for everything. Il y a un temps tu seras jeune. There's a time you'll be young. Il y a un temps tu vas vieillir. There's a time you'll get old. Et c'est tout à fait normal. And it's certainly normal. Tu peux arranger les cheveux, tu retournes ça noir. You can fix your hair, make it black again. Mais tes veines ont vieilli. But your veins are old. On te regarde comme ça, jeune homme, jeune fille. They look at you, a young woman. Bon, courez que sinon tu vas jeune. Just run like a young run. Pas moyen. Oh, you can't do it. S'il tombe un peu sous l'onction. If he's just fallen the anointing. Les deux est cassé. Oh, the back is broken. La jambe est cassée. Oh, the leg is broken. Dieu connaît. God Hallelujah. Knows. Il savait. He knew. De quelle couleur seraient vos cheveux? Or what color will be your hair? Il connaît même la couleur de ta peau. He even knew the color of your skin. Dieu t'a créé noir. God created you black. Laissez l'hydroquinone tranquille. Leave the medicine alone. Restez noir tel que Dieu t'a créé. As God created you. Il ne te voit pas de teint clair. He does not see your light skin. Dieu te voit noir. God sees you black. Il y a des gens qui sont à l'église. There's people here at church. Mais Dieu continue à les crier. Oh, the devil is continuing. Il est là dans l'église. He's in the church. Mais Dieu les cherche toujours. Oh, God is always changing it. Adam, où es-tu? Oh, Adam, where are you? Adam, où es-tu? Adam, where are you? Dieu les passe même. God is passing it. Adam, où es-tu? Adam, where are you? Adam, où es-tu? Adam, where are you? Lui, il voit les gens sous l'onction. Lui aussi, il attend. Mais Dieu les cherche encore. God is still looking for him. Dieu ne les reconnaît pas. God does not recognize him. Il dit, je suis là, papa. Dieu ne les voit pas. God doesn't see him. Parce que Dieu ne t'a pas créé comme Because ça. Because God didn't create you that way. Laissez l'hydroquinone tranquille. Leave those medicine alone. Restez tel que Dieu t'a créé. Stay how God created you. Tu dis amen à ça. Are you saying amen to Ma that? Sœur ne change pas. My sister don't change. Dieu t'a créé comme ça. God created you that way. Avant. Before, j'étais comme Sister Christo. Vous étiez comme la sœur Christelle. Mais, but, dans les cantiques des cantiques, ça dit. In the Song of Songs, je suis jolie. I am beautiful. Moi, fille de Sion. Me, daughter of Zion. J'étais aussi comme toi. I was also like you. Mais le soleil, but the sun, m'a brûlé. He has burnt me. Je suis devenu noir. I have become black. Noir. Dark skin. C'est une couleur riche. It's a rich color. C'est une couleur riche. It's a rich color. Dieu aime le noir. God loves the black people. Et frère Branham, Brother Branham, son cœur était chez les noirs. His heart was towards pas the chez black les blancs. Not towards the white. Un jour, je prêcherai sur les réveils des noirs. One day I'll preach upon the revival of the black. La reine de Séba était noire. The queen of Sheba was black. Mais t'es pas blanche. She was in white. Simon de Cyrène. Simon of Cyrene. Il était noir. He was a black man. Dieu aime les noirs. God loves the black man. Il dit les noirs said, ont des qualités que les blancs n'ont They're pas. Quality that white people les noirs sont spirituels. Blacks are spiritual. Ils aiment adorer Dieu. They love to worship God. Quand tu pars dans une église de noirs, you go in the church of blacks, s'il n'y a pas d'onction, if there's no anointing, ils sont déjà maudits. They've already cursed. Parce qu'un noir doit avoir l'onction. Because a black can serve the anointing. Un noir doit avoir Dieu. Oh, a black can serve Parce God. Que Dieu l'a dit. Because God has said it. Un noir. A black. Quand je commence à adorer Dieu, je dois reconnaître ça. God has to recognize it. Les blancs ont tué Jésus. Oh, the white killed Jesus. Mais Simon de Cyrène l'a aidé. But Simon the Siren helped him. Pour porter sa croix. To carry his cross. Dieu aime le noir. God loves the black. Ne change pas ta teinture. Don't change your skin color. Nous te connaissons noir. We know you black. Demeurez noir. Or stay black. Demain tu viens comme ça. Or tomorrow you come like this. Tu deviens comme frère Josué. You become like brother Joshua. Oh. Oh. Mais. But. Frère. Brother. I knew you were dark skinned. How did you become like him? Oh no, pastor. Oh no, pastor. C'est le soleil qui m'a brûlé. It's the sun that's burnt me. En Amérique, le soleil ne brûle pas. In America, the sun doesn't burn. C'est le soleil de l'équateur. It's the sun of the equator. Reste noir. Stay black. Dieu te connaît comme noir. God knows you as a black man. Dieu connaît tout ce qui est dans ton corps. God knows everything that's in your body. Même tes défauts. Even your blemish. Dieu connaît le tout. God knows it. Dieu connaît tout. God knows everything. Vous dites amen à ça? Are you saying amen to that? Oui, moi je dis amen. Oh yeah, I'm saying amen to that. S'il ne connaît pas les détails de mon corps. If he does not know the detail of my body. Il n'est pas Dieu. He's not God. Il n'est pas Dieu. He's not God. Il doit connaître chaque détail. He has to know each Parce detail. Parce que c'est lui qui t'a créé. Because he has created you. Il t'a créé dans son image, voilà. He's created his image. Jésus te connaît. God knows you. Jesus knows you. Il connaît l'état de ton esprit. He knows the steps or the state C'est of your spirit. C'est pourquoi j'ai toujours été contre l'hypocrisie. That's why I'm always against hypocrisy. Et je le serai toujours. And I've always been. Parce que Because tu te trompes toi-même. You lying to yourself. Dieu te connaît. God knows you. Dieu te connaît. God knows you. Please.
S'il vous plaît. Ne soyez pas un hypocrite. Don't be an hypocrite. Soyez toi. Be you. Que Dieu t'aide. Let God help you. Dans l'état où tu es. In the state where you are. Et ne venez pas ici, alléluia. Oh, don't come here, hallelujah. Alléluia, pasteur. Hallelujah, pasteur. Hallelujah, pasteur. Hallelujah, pasteur. Pasteur. Oh, pasteur. Pasteur. Oh, pasteur. Comme la sœur. Hey, sister. Pasteur. Oh, pasteur. Pasteur. Oh, pasteur. Non, soyez toi. Be you. Dieu te connaît. God knows you. C'est pourquoi nous chantons. That's what we sing. Tel que. As I am. Je suis sans rien. As I am without anything in me. Sinon, ton sang. Just your blood. C'est pour moi. That was shed for me. Et ta voix qui and m'appelle. Your voice that's à toi, Agneau. To you, Lamb. De Dieu, je viens. Of God, I come. Il faut aller à Jésus tel que tu es. Go to Jesus as you are. Il y a encore l'envie des pantalons des femmes. Mettez ça. There's still a love of pants for women. Just put it. Come to God. Ne sois pas hypocrite. Don't be an hypocrite. Ne sois pas hypocrite. Don't be an hypocrite. Venez à Jésus tel que tu es. Come to Jesus as you are. Jésus va te changer. Jesus will change you. Au lieu de mettre une robe jusqu'en bas ici. So putting a dress until the ground. Sur le chemin de l'école, tu as des pantalons. On the way to school, you have pants. Dieu ne sera jamais d'accord avec God une femme qui mettra women un pantalon. That's putting a pants of men. Jamais. Never. Parce que c'est la Bible. Because it's the Bible. Même si elle paraît jolie avec ça. Even if she seems beautiful with that. Non. Oh no. Elle a la viande. Elle est la viande de chien. She's a dog's meat. Mutu normal a bengete. A normal man will not call her. En Amérique, le problème c'est que les gens n'ont pas de souffle. In America, it's because people don't have any breath. Au Congo. In Congo. Tu es une chienne. You are a dog. Une chienne. A dog. Jezabel. Jezabel. Quelqu'un m'a dit, pasteur, à ta place. Someone il est en train de m'écouter là. He's listening to me now. Il m'a dit, pasteur. He said, pastor. Toi, tu peux remplir cette église là facilement. You can fill that church very easily. Jusque les gens s'assoient même until people sit back there past the little street. Les gens te suivent, pasteur. People are following you for a pastor. Mais il y a un seul problème qui font que les gens ne viennent pas. There's one issue that people don't come to you. Pasteur, tu es très strict avec la parole. Pastor, you're really strict with the word. Tu tapes bien les choses là. You really hit those things very well. Mais oui. But yes. Mais oui. But yes. Mais c'est ce que mon prophète m'a dit. That's what the prophet has told me. La première femme qui s'est maquillée s'appelle. The first woman who put makeup is. Elle a amené l'idolâtrie en Israël. She brought idol worship in Israel. Et Dieu n'aime pas de l'idolâtrie. And God don't like idol worship. Non. No. Ne te maquille pas. Don't put makeup. Tu es jolie. You are beautiful. Fille de Sion. God of Zion. Tu es belle telle que tu es. You are beautiful as you are. Tu es très jolie. You are very beautiful. Il n'y a pas un jour no one day qui est si glorieux that's glorious que le jour de l'enlèvement than the day of the rapture où Jésus viendra prendre son épouse. When Jesus will come back to take his bride. Ça dépasse le jour de mariage. It's more than the wedding day. Ça dépasse le jour où on va t'engager au travail. It's more than the day they will hire you at work. Si un jour où tu devais te maquiller. It is a day where you have to put makeup. Non, maman, ça doit être le jour de l'enlèvement. Yes, the day of the rapture. Parce que tu pars à la rencontre de ton époux. Because you're going meeting your bride, your groom. Your husband qui habite au ciel. Who's living in heaven. Mais malheureusement, oh, but tu n'auras même pas une seconde pour you le faire. You won't have a second to do it. Parce que tu seras changé en un clin d'œil. Because you will be changed. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire le maquillage est moins important. The makeup is less important. Inutile même. It's useless. Reste naturel. Stay natural. Comme Dieu t'a créé. As God created reste you. Avec tes cheveux naturels. Stay with your natural hair. Aussi longtemps que cela dépend de toi. As it depends on you. Reste, laisse tes ongles naturels. Leave your nails natural. Oh non, je veux mettre un peu de base. Oh, non, non. Base. No. Je n'aime pas les bases là. God don't like those bases. Je veux que tu sois naturel. God wants you to be natural. Sois naturel. Be natural. God don't like fancy stuff. Dieu ne veut pas des figures fardées. Non, des fancy stuff là. Like, Dieu ne veut pas des choses artificielles. Qui sont artificielles. Non, Dieu te veut comme tu es. God wants you as you are. Amen. Amen. Est-ce que j'ai pu avancer? Can I move forward? Pourquoi? Parce que tu es un enfant de Dieu. Because you're a child of God. Et tu es en train d'écouter ça? When you're hearing this, à cause de la miséricorde. Because of the mercy of God.
Le Dieu qui est riche en miséricorde. God is rich in mercy. Il ne veut pas que tu sois une chaîne. Doesn't want you to be a female dog. Il veut que tu sois une fille de He Dieu. He wants to be a daughter of God. Il te parle aujourd'hui. He's talking to you today. Pour que tu ne puisses pas attirer des païens. So that you don't bring any wicked people around you. Si les païens sont attirés chez toi, if the heathen are attracted to you, c'est quand toi il y a des paganismes là. It means there's heathen in you. Il y a quelque chose qui les attire. There's something attracting them. Parce qu'un vrai branhamiste. Because a true branhamist. Les païens ne peuvent pas les suivre. The heathen cannot follow him. Commencez seulement par ses robes qu'il porte. Just start by the dress that she's dressing up with. On dira comment je peux même pas voir ses mollets. Because I can't even see her calves. Je peux même pas voir ses cuisses. I can't even see her thighs. Et comment je peux marier une fille comme ça? How can I marry a daughter like that? Ah, pas elle. Oh, not her. J'ai besoin de quelqu'un qui a des mini jupes. Je peux tout voir. Small skirts. I can see everything. Déjà pour commencer seulement regarde. Just to start when they look at you. Comment elle ne se maquille même pas? Oh, she didn't even put makeup. Elle ne met même pas des trucs. She didn't put those stuff on. C'est impossible. It's impossible. Et là-bas, les, vous savez, au Congo, on savait, on disait que les branhamistes se mariaient entre eux. In Congo, we knew they said the branhamists married one another. Je ne sais pas s'il y a l'évolution, si ça a changé. I don't know if it has changed after time. Peut-être qu'il y a la modernisation. Maybe there's a modernization. Maybe it's. Un frère Eli, peut-être qu'il y a des modernisations. It's not what it looks like. Maybe there's a new thing. Mais nous, nous savons ça comme ça. Now we know it as it is. Que? That les branhamistes, branhamites, se marient entre eux. Get married among one another. C'est comme ça qu'on savait au Congo. Oh, that's what we knew it in Congo. Quand nos oncles venaient chez maman, when our uncles were coming to mom, disaient ah, un peu. They were saying ah, here was. Dagwaba abraka abraka. The braka braka. I was called a kota ate. Here there's no drinks, no beer. Oui, mais c'est kota ate. No premise, no beer. Il disait, ah, y a Vivian tombé la diabète. So Vivian will be sick of diabetes here. Toujours sucré, sucré. Always soda, soda. Mais ils savent que ça va pas entrer. They knew the beer will not get in. Ils connaissent ton identité. They know your identity. Amen. Amen. Il y a même de tes voisins qui le savaient. There's some of your neighbors who knew it. Quand ils veulent entrer chez toi, when they want to get into your place, they put out this little clothing to cover them. Pour moi, c'est un pantalon qu'on t'a raté. So that a woman who pants. Je ne sais pas s'il y a de l'évolution. I don't know if he has changed. Mais oui, il y en a des choses dont les autres savaient. There's things that others knew that. In that house, don't go at 6, you'll hear them praying. At 12, they are praying. Je ne sais pas s'il y a de l'évolution. I don't know if he has changed. Mais notre évolution veut dire on doit multiplier ça. Our change means we have to multiply that. Amen. Amen. Salut un peu ton voisin. Dis-lui greet your neighbor, tell him. Tell him Jesus is wonderful. Dis que Jésus est merveilleux. Jesus is wonderful. Jésus est merveilleux. Brother Branham says, c'est comme un petit aigle. It's like a small eagle. Et vous souvenez-vous de mon histoire? He said, remember my story. Du petit aiglon. Of that little eaglet. Cet aiglon. That little eagle. Il était éclos sous une poule. She was under a hen. Et ce petit aiglon marchait avec des poulets. And that little eagle was walking with the little chicklets. Il mangeait avec ses petits poussins. She was eating with a little chicklet. Mais, but, il y avait quelque chose en lui. There was something in him qui était différent. That was different. De tous ces poulets là. Of all those chickens. Malgré qu'il était là. Even he was there. Balobite ko za kite non non. They didn't say he was there. Tu étais ensemble avec tes amis là. You were together with your friends. They had those tattoos, they had everything. Mais que toi, but you, tu avais quelque chose, you had something qui est différent. That was different. Un enfant de Dieu, a child of God, il peut manger avec des requins. Can eat with the sharks. On peut lui servir le vaudou. They can give a voodoo. Mais son système, but his system, va refouler la chose. Will refuse it. Maman, écoute un peu ces conseils. Mama, entre parenthèses. Quand tu veux manger ton enfant, when you make your child eat, quand il commence à vomir, when he starts vomiting, des fois ne le forcez pas. Don't force him. Peut-être que son système n'aime pas cette nourriture. That means his system doesn't like that. Peut-être qu'il a des allergies. Maybe he has allergies.
Un enfant de Dieu. But a child of God. Dont l'âme est prédestinée à la vie. That the soul is predestined to life. Il peut dormir avec des chores. He can sleep with sorcerers. Des chores expérimentés. Experienced sorcerers. Celui qui vole même avec. The one even flies with. La pensée. Just with thought he flies. Rien ne lui arrivera. Nothing will happen to him. Je me base aux écritures. I'm basing myself on the scriptures. Un enfant de Dieu. A child of God. Qui est dans l'économie de Dieu. Who's in the economy of God. Qui était dans la pensée de Dieu. Who was in the thought of God. Aucun démon ne peut lui faire du mal. No demon can do evil to him. La sorcellerie est une prédestination. Witchcraft is a predestination. Il y a des hommes qui sont prédestinés à ça. There's souls that are predestinated to même that. Même si tu les prêches la parole comment. Even if you preach him the word how. Il ne se repentira jamais. He will never repent himself. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Mais il y a aussi d'autres âmes. But there's also other souls. Il peut avoir ça aujourd'hui. They can have it today. Mais demain ça va partir. Tomorrow it will leave. Tout c'est entre les mains de Dieu. All is under the hand of God. C'est une affaire de prédestination. It's a work of predestination. Et là même le pasteur n'a pas d'accès. And there the pastor doesn't have any access. Même pas les prophètes. Not even the prophets. Personne n'a accès à ça. Nobody has access to that. Dieu lui-même. God himself. Il connaît qui sera sauvé. He knows who will be saved. C'est pourquoi. That's why. N'attribuez pas l'enfer à tout le monde. Don't send people to hell. Peut-être que l'homme que tu dis ira en enfer. Maybe the man that sent God to hell. Il te jugera à la porte. He will judge you. Je vous dis vrai. I'm telling you the truth. Tu ne connais pas l'avenir de l'homme. You don't know the future of someone else. Aujourd'hui, il est today, faible. He's weak. Toi, tu crois être fort. And you think you're strong. Mais tu n'es pas aussi fort. But you're not strong. Parce que tu es un point faible because quelque part. Because you have a weakness somewhere. Soyez patient avec l'autre be là. Be patient towards the other one. Un jour, il reviendra. One day will come back. Parce qu'il est un aigle. Because he's an eagle. Faut en parler du saumon. Barbara speak of the salmon. J'aime manger le saumon. I love eating salmon fish. I went to a restaurant a long time ago. Le saumon. The salmon fish. Ce poisson saumon. That fish, salmon fish. Il dit saumon. You see the salmon. Il peut naître à Charlotte. He can be born in Charlotte. Quand le vent vient, la tempête and vient. The wind comes. Il entre dans l'eau. He gets in the water. Un enfant qui est né dans le message. Oh, a child that's born in the message. Demain, tu le vois, les pantalons commencent à descendre. Oh, you see him sagging pants. What's up, man? Hey, what's up, comment man? Vous allez, mon pote? Hey, what's up, man? Comment vous allez? Eh? Tu vois, il laisse aussi les cheveux. You see yourself rust. Mais aussi, moi, la sœur n'a pas besoin. This is the child of our sister. Qu'est-ce qui arrive? What happened to him? Soyez patient. Be calm. Et continue. He hasn't gotten yet. Et ça n'a pas son. It's just in his skin. Et ça n'a son, toi, yaya. Just in his flesh. Et continue à me dire. He ain't getting his soul. Son âme. His soul. Il y a un secret dans la consécration. There's a secret in the consecration. C'est pourquoi quand ton enfant est né, that's why when your child is born, ne perds pas le temps à la maison. Don't waste time at home. Amène-le à l'église. Bring him to church. Consacre-le à Dieu. Consecrate him to que God. Que Dieu prenne le contrôle de let son God âme. Let God take the control of his soul. Il ne se perdra jamais. He will never be lost. Le saumon, the salmon tree. Il peut s'habituer aux requins. He can be getting used to the sharks. Il s'habitue aux baleines. He can get used to the big fish. Il peut entrer jusqu'à aller au Congo. He can even go to Congo. Tu l'as perdu où? You can, where are you at? Oh, je suis dans les eaux d'Angola. Oh, I'm in Angola. Ah, tu es parti faire quoi là-bas? To Angola. Non, mes amis m'ont amené ici. Oh, my friend has brought me there. Il y a un jour, one day, Dieu va les frapper. God will hit him. Ça sera indépendamment de ta volonté. Will be independent to your will. Dieu peut lui donner des maladies. God can give him sickness. Indépendamment de la volonté du pasteur. The will of the pastor. Maman, tu pleureras. Mom, you can cry. Papa, tu pleureras. Dad, you can cry. Ça ne changera rien. He won't change anything. Ça sera Dieu. He won't be God. Qui est en train de l'attirer. He was pulling him back. Jusque dans les eaux de sa naissance. To bring him back to the world of his birth. Il ne mourra jamais, jamais à l'extérieur. He will never die outside. Toujours dans les eaux de sa naissance. Always in the world of his birth. Je mourrai là où je suis né. I will die where I was born. Mon origine. My origin. C'est ma destinée. It's my destiny. N'appelez personne candidat de l'enfer. Don't call someone a candidate of hell. Tu ne connais pas ma vie. You don't know my life. Tu ne connais pas ma profondeur you avec Dieu. You don't know my deep with God. Tu ne connais pas la profondeur you don't know de it. You don't know the deep of the other. Ne dis jamais qu'il ira en enfer. Don't say that he will go to hell. Parce que tu n'es pas son juge. Because you're not his judge to begin with. Branham, Branham, un puissant prophète de ce temps de la fin. A powerful prophet of this end time. Il n'a jamais compté sur ses mérites. He's never counted on his own merits. Il a toujours dit. He's always said. Je compte sur sa grâce. I count on his grace.
sur sa grâce. Upon his grace. Il y en a des endroits. There's some places. On a demandé à Frère Branham. When they asked Brother Branham. De quoi Frère Marc m'avait donné ces citations. Marcus gave me that. Là où on dit à Frère Branham. When they told Brother Branham. Frère Branham, toi tu vas entrer au ciel. Brother Branham, are you going to get into heaven? Frère Branham a dit. Brother Branham says. Je ne sais pas. He said, I don't know. Je dépends de la grâce. I depend upon the grace. Parce que Dieu ne blague pas avec lui. Because you don't play with God. Tu peux faire quelque chose. You can do something. Je change ta destination. God change your destination. En un clin d'œil, just as a twinkle tu dois rester sur le GPS. You have to stay under the GPS. La parole de Dieu. The word of God. Je vous dis la vérité. I'm telling you the truth. Mais Branham devait avoir peur. Oh, Branham had to be scared. Parce qu'il y a un exemple dans la Bible. Because there's an example in the Bible. Moïse. Moses. Appelle ton frère Aaron. Call your brother Aaron. Allez parler au rocher. Go speak to the rock. Que le rocher fasse sortir de l'eau. Let the rock take out his waters. Moïse. Moses. Un prophète. A prophet. Donc Dieu ne parlait pas par des visions. That God wasn't talking by vision. Dieu lui parlait de bouche à l'oreille. God was talking by mouth to ear. Quand Dieu lui a dit va parler au rocher. When God told him go speak to the rock. Moïse est allé là-bas. Moses went there. À cause des pressions des hommes. Through the pressure of people. Il a frappé le rocher. He hit the rock. Il a frappé le rocher. He hit the rock. Hey! Woo! Dieu n'a pas dit frapper. God didn't say hit. Dieu a dit parler. God said speak. Lui, il a frappé. He hit. Mais parce qu'il avait un don. Because he had a gift. Parce qu'il avait. Because he had était appelé comme un prophète. He was called as a prophet. Il avait un don. He had a gift. Et la Bible dit que les dons et les appels sont sans repentance. And the Bible says a gift and calling are without repentance. Tu peux continuer avec ça faisant des miracles. You can continue doing miracles. Mais ce n'est plus dans la volonté de Dieu. But it's not in the will of God. Dieu va répondre parce qu'il est lié à ton don. God will answer because it's bound to your gift. Moïse n'a pas obéi à Dieu. Moses didn't obey God. Mais Dieu a obéi à Moïse. God obeyed Moses. Il a fait sortir l'eau. He put the water out. Et les gens ont bu. And people drink it. Alors. And quand ils étaient rassasiés, when they all went back home, alors Dieu a appelé Moïse. God called Moses. Mon ami vient. He said, my friend, come here. Lui, il partait, il croyait qu'il va entrer encore dans la colonne de feu. The pillar of fire again. Viens un peu. He said, come here. On l'a fait monter jusqu'à la montagne. They bring all the way up on the mountain. Regarde le pays. He said, look at the land. Mais toi, but you, tu n'entres pas. You will not get in. Parce que tu es enorgueillé. Because you are pride. Tu résistes aux orgueillis. God hates the prideful. N'ayez pas en toi ces sentiments-là. Don't have that feeling in you. De l'orgueil. Of prideness. Que je dépasse quelqu'un. Tu dépasses personne. Somebody. You don't surpass anybody. Tu ne dépasses personne. You're surpassing nobody. Oh, je suis intelligent plus. Oh, I'm intelligent. Tu es intelligent plus que toi-même. You're intelligent more than yourself. Tu dépasses qui? Toi, tu penses que tu dépasses. Oh, you're surpassing. You're surpassing who? Tu dépasses qui? You're surpassing who? Et en quoi? And in what? Dans ma belle peut-être, oui. Maybe in evil. Mais tu dépasses personne. You're surpassing nobody. Mais tu ne connais personne. You know nobody. Who do you know here? Qui vous connaissez ici? Nobody. Personne. Tu ne connais pas comment il prie. You don't know how he prays. Tu ne connais rien de lui. You know nothing of him. Tu le vois seulement ici. You just see him here. Alors ne les jugez pas. Don't judge him. Tu ne dépasses pas. Why are you not suppressing him? Il y en a des gens ici qui ont l'argent. There's people here who have money. Mais tu ne le sauras pas. You will never know it. Tu le sauras. Mais comment va ça? Kinzung va ça? Kinzung is here. There's people who have money here. Olaga olamu kiba sombi Mercedes. You sleep like you sombi amoneng. Why did you buy the Mercedes? Oh no, my ba saving na. Oh, just my low savings. I'm working with that. There is money. Ça ne parle pas. But he doesn't talk. Je vous dis vrai. I'm telling you the truth. Toi tu viens de comme ça. Moi j'ai l'argent. You have money. Tu n'as rien. You have nothing. Tu connais pas la poche de l'autre. You don't know the pocket of the other one. Tu as l'argent, achète nous l'église alors. Buy for us Peter. Achète même un terrain de 10 000 dollars. Just buy a land of $10,000. Tu as l'argent au bon de la Mykonos, Seigneur. Oh Lord. Comment on a fait contribution? We don't see your contribution. Tu as quel argent? What money do you have? Tu n'as rien. You have nothing. Tu ne dépasses personne. You're surpassing nobody. Marche avec ça dans ta tête. Walk with it in your que head. Je ne dépasse que moi-même. That I'm surpassing myself. Je ne dépasse pas mon frère I'm ou ma sœur. I'm not surpassing my brother. No. Oh no. No, frère. No, brother. No, blague à part, enlevons ces complexes. No, let's remove that complex. Chacun a sa grâce. Each one has his grace. Chacun Dieu les connaît. Each one God knows il sait comment l'élever et he quand. He knows how to lift him up and when. Tu ne dépasses personne. You're not surpassing anybody.
C'est pourquoi. That's why. J'aime pas l'orgueil des nouveaux mariés. I don't like the pride of the new wed. Qui considèrent ceux qui ne sont pas mariés. I think those who are not married. Comme ils étaient des papiers. Yes, they are little papers. Donc tu peux marcher sur lui. Yes, you can walk on him. Non, j'aime pas ça. No, I don't like that. Dieu va les bénir. God will bless them. Mais quand? But when? Au temps de Dieu. In the time of God. Est-ce que vous étiez né le même jour? Were you born the same day? Ou vous mourrez le même jour? Oh, you will die the same day. Pour que vous vous mariez le même so jour? So you can get married the same day? No way. Oh no. Chacun son jour. Each one has chacun his son tour. Each one has his chacun sa grâce. Each one has his grace. Est-ce que ça entre? Is he getting it? Considère l'autre comme un enfant de Dieu. Consider the other one as a child of God. Un fils de Dieu. A son of God. Une fille de Dieu. A daughter of God. Frère dit ceci. But Abraham says this. Que Dieu a fait de nous. God has made of us. Un royaume de sacrificateurs. A kingdom of sacrificators. Nous sommes des rois. We are kings. We are kings. Nous sommes des rois. C'est ce que nous sommes. That's what we are. Il dit même le mari, il parle au mari. He even talked to the husband. Il dit considère ta femme. He said consider your wife. Comme une fille du roi. As the daughter of the king. Comme une princesse. As a princess. Et que la femme considère son mari and comme un prince. And let the wife consider her husband as a prince. Comme un fils du roi. As a son of the king. C'est comme ça que frère Branham le dit. That's what Brother Branham says it. Alors toi tu dépasses qui? Who are you suppressing? Personne. Nobody. Nous sommes tous les enfants de Dieu. We are all the children of God. Devons être respectueux. We have to be respectful. C'est ça la parole de Dieu. That is the word of God. Respectez-les. Respect them. Nous sommes des enfants de Dieu. We are the children of God. Mais il y a aussi des parents ici. We also have parents here. Il y a des adultes dans la salle. We also have adults in this room. Ils méritent le respect et les honneurs. They deserve the respect and the honor. Venez des enfants dans l'église. Coming from the children in the church. Amen. 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 J'ai dit amen. I'm saying amen. On peut pas voir quand même Nathan. We cannot see Nathan. Frenyeti. 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 Papa Ben t'appelle. Papa Ben t'appelle. Frenyeti. Frenyeti. Papa Ben t'appelle. Papa Ben is calling you. Non, c'est pas normal. Oh no, that's not normal. Frenyeti. Frenyeti. Papa Ben t'appelle. A dead Ben is calling you. C'est pas normal. That's not normal. C'est pas normal. That's not faut normal. Faut qu'il y ait du respect. We have to have respect. Il faut qu'il y ait du respect quelque part. Oh, there has to be respect somewhere. Amen. Amen. That's right, right? C'est correct. Comme il y a des sœurs là qui. Is the sisters here? Pas ici, hein? Not here. Quand ils voient ma femme. When they see my wife. Rita, eh? Hey, Ruth. I say, oh. Bato saoko. They have to obey to you. Osa quand même un pasteur. You are a wife of a pastor. So ingo bengo ma pasteur. Te abe wa ta sœur. At his sister. Ego honore tanga yo. You honor at least myself. Hey, Rita. Hey, Ruth. Non, non, ça peut pas tenir. Oh no. Dans le monde. In the world. Quand vous travaillez dans la même compagnie que frère Ambroise. When you work in the same company as brother Ambroise. Ambroise est marié. Ambroise is married. Ambroise vient avec Esther. Ambroise comes with Esther. On va appeler Esther comment? What would they call Esther? Madame. Lady. Madame. Lady. Madame. Lady. Pour la respecter. To respect her. Et respecter her. Son mari. And respect her husband. All right? C'est correct. J'ai rien dit. I didn't say anything. Mais j'ai dit quand même quelque chose. And I've said something. Là, c'est pour des aigles. That's for the eagles. Je peux avancer un peu? Can I move forward? Frère Marc, je prêche sur Dieu qui est riche en miséricorde. Brother Mark, I'm preaching on God who's rich in mercy. Félicitations pour ton substitut ici. Congratulations to your substitute. Il fait un bon travail. He's doing kind of a good work. Tu as fait un bon travail avec lui. You've done a good work with him. Je suis content de ça. I am happy of that. J'ai besoin de voir des choses comme ça. I want to see things like that. Nous vieillissons, non? We're getting old. Faut qu'on ait frère Marc deux. We have to have brother Mark too. On ait d'autres guitaristes et d'autres drummers. Other drummers. Ça fait quand même. It's making at least une autre génération. Another generation. Et ça fait du bien. And it's making us feel good. Et nous vieillissons. We're getting old. Yeah.
Vous aimez la parole de Dieu? Do you love the word of God? Écoutez, Frère Branham dit, hein? What Branham says. Que cet aiglon. Say that eaglet. Même s'il est avec des poussins. Even if she's with the little chicklet. Il a quelque chose de différent. There's something different. Parce que dès le départ. Because from the beginning. Il était un aigle. He was an eagle. Il ne devient pas un aigle quand cet aigle l'appelle. He does not become an eagle when the eagle calls Mais him. Mais dès le départ. But from the beginning. Il y avait la nature de l'aigle. There was the nature of an eagle. Même s'il est là dans la basse-cour. Even if it's there in the little farm. Il mange avec des poussins. He's eating with the chicklets. Il entend ce qu'ils sont en train de prêcher là. He's hearing what they're preaching there. Mais toujours dans son cœur, il n'est pas satisfait. But in his heart, satisfied. Il dit que non, moi je suis un aigle. He said, I'm an eagle. C'est comme ces canards bizarres. It's like a little weird duck. Il est né là dans la basse-cour. He's born there in the farm. Hey, il était un canard bizarre. He was a weird duck. On regarde les canards. Oh, you look at the duck. Ne ressemble même pas aux poules. He doesn't. Aux poussins, aux choses. Of those chicklets. Et un jour. And one day. Ce fermier dit bon. Oh, that farmman said. On va faire un tour à côté de l'eau. We will go around the next. Quand water. Ils s'approchent de l'eau. When they get close to water. Les canards. The duck. Il sent l'odeur de l'eau. Smell the smoke. Il sent une profondeur qui l'appelle. He's feeling the deep calling him. On est en train de l'appeler. They're calling him. Canard, ne parle pas là-bas. Duck, don't go there. Ne parle pas là-bas. Duck, don't go there. Il y a de l'eau. There's water. Il dit, mais c'est là que je suis né. That's where I was born. Ça c'est ma nature. That's my nature. Quand il a vu l'eau. When in water. Il est parti la nager. He went and he swam in water. La nature l'appelle. The nature is calling. Parce qu'en elle. Because in it. En lui, il y a la nature du canard. Because there's a nature of a duck. Ce n'est pas un poussin. It's not a chicklet. Oh frère. Oh brother. Il y a de quoi dire gloire à Dieu. There's what to say glory to God. C'est la même chose pour les croyants. It's the same thing for the believer. Il y a quelque chose en lui. There's something in him. Quand il se retrouve face à face avec Dieu. When he meets face to face with God. Il prend conscience de ce qu'il est. He takes conscience of who he is. Parce qu'il a une semence en lui. Because he has a seed in him. Et cette semence reprend vie. And that seed takes life. Le prophète dit oh là là. The prophet said, oh my. Il dit oh c'est vrai. He said it's true. Alors il s'envole. And he flies. Loin des choses du monde. Far from the things of the world. Toutes les choses du monde sont mortes. All the things of the world are dead. Il devient une nouvelle créature. He becomes a new creature in God. Frère dit je me rappelle nous avons tous eu une vie autrefois. Frère said, I remember we all had a life one day. Il y a des ivrognes ici. There's people who were drunk here. Dans le passé. In the past. Des coureurs de jupons. People running after women. Des voleurs. Thieves. Des bandits. Or bandits. Chacun de vous a une histoire. Each of you has a story. Il sait d'où est-ce que Dieu l'a tiré. They know where God has taken him out of. Chacun sait ce qu'il faisait. Each one know what he was doing. Des fumeurs de chanvre. Or people smoking. Des voleurs. Or thieves. Il y a tout ici. There's everybody here. Mais quand vous avez mangé la parole. But when you eat the word. Frère Branham dit dès que nous nous sommes emparés de la vraie chose. Frère Branham said when we got hold of the true thing. Quelque chose nous a rendu à la vie. Something brought us back to life. Et une petite et seulement ce qui était là a pris vie. And the small seed that was there came back to life. Et alors, and then, toutes les choses du monde ont pourri. All the things of the world got rotten. À l'instant même. Instantly. Et nous en avions plus aucun désir. And we didn't have any desire for it anymore. Il y en a plus. There is no more. Il y en a plus. There is no more. Il y en a plus. There is no more. Il y a des gens dont leurs amis avaient surnommé. There's people their friends called them, used to parce call them. Parce qu'ils laissaient les cheveux beaux comme ça. Because they were living a lot of on l'appelait hair. Michael Jackson. They were calling him Michael Jackson. Parce qu'il faisait quelque chose dans sa vie. Because he was doing something in his on life. On l'appelait Schwarzenegger. They were calling him Schwarzenegger. On lui donnait un nom. They were giving him a name. Mais quand tu t'es emparé d'une chose but réelle. But when you got a hold of something real. Même ces noms-là ont pourri. Even those names got rotten. Tu ne veux même plus entendre ça. You don't even want to hear it anymore. Quand on t'appelle commando, tu dis oh non. Commando, say, oh no. C'est déjà passé ça. It's already the past. Ça c'est quand j'étais jeune. That's when I was young. Maintenant je suis un chrétien. Now I'm a Christian. Tout a changé. Everything has changed. Qu'est-ce qui a fait ça? What has done that? Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. Il a changé ton identité. He has changed your identity. Il a changé comment on t'appelait. He has changed how they used to call you. Aujourd'hui tu es un chrétien. Today you are a Christian. Tu es une chrétienne. You are a Christian.
pèlerin sur la terre, a pilgrim on the earth, à destination, to the destination, de la Jérusalem céleste, of the new Jerusalem. Aujourd'hui, on peut dire tu es une bonne femme. Today they can say you're a good wife. On peut dire tu es un bon mari. They can say you're a good husband. On peut dire tu es une bonne chrétienne. They say you're a good Christian. Qu'est-ce qui a fait ça? What has done that? Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. Il a changé ton statut. He has changed your statue. Il a fait de toi un enfant de Dieu. He has made of you a child of God. Quelqu'un peut dire amen à ça? Can somebody say amen to Le that? Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. Au temps de Noé. In the time of Noah. Que je parle de ça. Do you want me to talk about it? C'était un temps mauvais. It was an evil time. Un temps où le péché est entré. The time when the sin came in. La méchanceté était dans le pays. Evilness was in the land. Les gens tuaient les autres. People were killing the other one. Les gens n'aimaient pas Dieu. People didn't love God. C'était un temps rempli de péché. It was a time full of sin. L'homme avait étendu la corruption sur la terre. Man has put corruption on the au world. Au point que Dieu s'est repenti. To the point that God repented himself. D'avoir créé l'homme. Of creating man. Et Dieu a pris la décision. And God took the decision. Il a dit je vais tuer tout ce que j'ai créé he comme said, homme. He said I will destroy all that I've created as man. Je n'ai plus besoin de l'homme sur la terre. I'm not in need of man on the earth. Parce que l'homme. Because a man. Son cœur se tourne toujours. His heart always turns towards. Vers le mal. Towards evil. Je suis dans Genèse 6. I'm in Genesis 6. Le péché était là, frère. The sin was there. On tuait des enfants. They were killing kids. On sacrifiait des enfants. They were sacrificing kids. J'ai vu ça dans l'arche de Noé qu'on a fabriqué à Kentucky. I seen it in the ark of Noah that they made in Kentucky. Il y a un endroit là où on a mis ces images là. There's a place where they put those images. On sacrifiait les enfants. They are sacrificing children. On tuait les gens. They're killing people. Le péché était là, l'atrocité, la méchanceté. Hatred was there. Mais but oh, merci, Seigneur Jésus. Thank you, Lord Jesus. Dieu voulait anéantir toute la race humaine. God wanted to destroy the entire human race. Mais le prophète dit, but the prophet said, le Dieu qui est riche en miséricorde, the God who's rich in mercy, il n'a pas permis que l'innocent périsse avec le coupable. He didn't want the innocent to die with the condemned. Parce qu'il y avait des innocents. Because there were innocent during that time. Noé était un innocent. Noah was an innocent. Dieu l'a appelé. God called him. Dieu lui a dit, tu vas construire l'arche. God said, you'll build an ark. Et tout celui qui veut être sauvé. And all that wants to be saved, qu'il entre dans l'arche. Has to get into the ark. Noé a prêché. Noah preached. Mais il n'a pas prêché pour tout le monde. But he didn't preach for everybody. Qui doit écouter le message? Who has to listen to the c'est message? C'est seulement le prédestiné. It's those who are predestined. Les élus. The elected. Cette race qui est différente. That race that's different. Cette race qui est mise à part. The race that's put aside. Branham dit, réjouis-toi pour le privilège que Dieu t'a donné d'être chrétien. Branham said, rejoice for the privilege God has given to be a Christian. C'est un privilège. It's a privilege. Ce n'est pas pour tout le monde. It's not for everybody. Tu peux expliquer le message comme tu veux. You can explain the message as you mais want. Mais c'est pas tout le monde qui va dire amen it's à ça. It's not everybody that will say amen to ils that. N'ont pas une profondeur dans leur cœur. They don't have a dip in their heart. Je ne parle pas pour n'importe qui. God doesn't talk to anybody. Je parle pour celui ou celle-là qui est avec lui dans ça. Dans sa pensée éternelle. Who was with him in his eternal thinking? Dans le commencement. In the beginning. C'est à lui que Dieu parle. It's to him that God speaks to. Amen. 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 Des fois vous regardez comme ça. Sometimes you look like this. Des prédications que les gens aiment sur internet. Sermons that people love in the internet. Là où les gens voient vraiment qu'on a bien prêché. Where people really see they really preach very well. Ce sont des choses de prospérité. It's stuff of being of prosperity. Ce sont des choses sociales. It's common sermons. Là où on leur dit, even though your son was a drug addict, when God will set him free. Hallelujah, praise the Lord. Là on dit, même si votre fils était dans le drogue, Dieu va le libérer. Hallelujah, hallelujah. Même si tu ne sais pas payer le loyer, even if you can't pay Dieu your rent, va t'aider. Hallelujah. God will help you. Hallelujah. C'est ça la prédication des Américains. That's the sermon of the Americans. Des choses terre à terre. Those things that's normal common c'est things. Ce qui réjouit leur cœur. That's rejoicing their hearts. Je vous dis la vérité. Moi, je prêche à la radio. I preach in the radio. Je prêche à la radio. I preach in the radio. Quand tu leur dis seulement. When you just tell them. Nothing can stop God's purpose in your life. Rien ne peut arrêter le but de Dieu dans votre vie. Je peux avoir 100 coups de fil. I can have 100 calls successive. Ou à 7 heures. At 7 o'clock, les gens t'appellent. People calling, 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 calling. Yes, Pastor, pray for me. Oh, Pastor, pray hallelujah, for me. Hallelujah, God spoke to me. Oh, Dieu m'a parlé. Hallelujah. Nothing can stop God's purpose in my life. Hallelujah, Pastor. Pasteur, hallelujah. Je vous dis vrai. I'm telling you the truth. Prêchez-les seulement. Preach them only. Un message social. A common sermon. Ah, je ne dors pas. I don't sleep. J'ai des appels terribles. I have people calling me. Les gens m'appellent. The people are calling me from everywhere. Jusqu'en Arizona. Till Arizona. Ils m'appellent. They're calling me. À Indiana. In Indiana.
Pray for me, pastor. Pray. Prie pour moi, pasteur. Pastor, that message was for me and pasteur, ce message était pour moi ce pastor, matin. You know, pasteur, vous connaissez. Pastor, I lost all my faith, pastor. J'ai perdu toute ma foi. Pastor, pastor. Oh, pasteur, pasteur. Mais nika bango prédication. But just give them a sermon. Bombaga Branham na se. Just had Branham under. C'est fini. It's done. Il y a pas d'appel. Nobody calls. J'ai dit, ah, j'ai fait quoi? I said, what have I done? Comment ils ont fui? Oh, how did they run away? Ils ne viennent pas. They don't come. Quand tu les bombardes vraiment une chose là. When you just throw to them something. Je prêchais un message à la radio identification. I preach a message on the radio l'identification. You need to be identified with Christ Jesus. Vous devez être identifié à Christ Jésus. And he is the word. Et il est la parole. Et la parole a dit que la femme ne prêche pas. And the word says a woman cannot preach. And you need to say amen to that. And you have to say amen. Vous devez dire amen à cela. Il y a personne qui m'appelle. Nobody calls me. J'ai dit oh. So, what have I done to them? Je leur prêchais la parole. I preached them the word. J'ai dit d'accord. J'ai diminué okay. Encore. I'm putting lobby down. Je leur prêche encore. Possédant les ports de l'ennemi. Oh, possessing the gates of the enemy. You have to overcome. Oh, vous devez you vaincre. Have to overcome. Vous devez vaincre. You have to overcome. Vous devez vaincre. Hey, praise the Lord, pastor. Oh, que Dieu soit loué, pastor. Pastor, overcome prophecy pastor, in my je life. Dois vaincre dans ma vie. Pasteur, oh, pasteur, il y a trop de pauvreté. Oh, there's a lot of poverty. Ma sœur est pauvre. My sister's mon poor. Frère est pauvre. My brother's poor. Mon mari ne travaille pas. Oh, my husband doesn't ce work. Message est pour nous, pasteur. Oh, praise God. Alléluia, pasteur. Pray for us, pastor. J'ai prié là-bas. Il dit, pray again. Pray. Oh, prie encore. For my brother George. Pour mon frère George. J'ai dit, okay, now pray. Pray again for pray my sister. Encore pour ma sœur. Okay. Pray again for my pray sister. Pour mon autre sœur. She's in New York. Elle est à New York. Oh. Une seule personne avec 15 requêtes. Just one person, 15 requests. J'ai dit ok. C'est ok. Je change encore. I change again. In this age. Dans cet âge. God has sent a message. Tu as envoyé un message. With a prophet. Avec un prophète. He was born here in America. Il était né ici en Amérique. His name is William Marion Branham. Son nom c'est William Marion you Branham. Need to believe in him. Vous devez croire en lui. If you want to be saved. Si vous voulez être sauvé. Il n'y a plus d'appel. No more calls. Il me fuit. Oh, they run away from me. Mais, but, ce message n'est pas pour tout le monde. This message is not for everybody. C'est pour les élus. It's for the elected. C'est pas facile que vous écoutez ce que je prêche. It's not easy that you can hear what I'm preaching. Et puis vous revenez encore. And you come back again. Et puis vous me saluez encore. And you greet me again. Tu dis au sœur, habillez-vous bien. You still listen to dress well. Et après, tu dis aussi, pasteur, que Dieu te bénisse. Say, pastor, God bless you. C'est parce que vous êtes des aigles. It's because you are eagles. Une américaine. An American. I'll tell you about now. I'm looking from your head to the bottom. What do you want to tell me? Qu'est-ce que tu veux me dire? This African boy. Oh, cet Africain. Poor man. C'est pauvre. Alléluia, toi tu peux bien faire ça. Alléluia, can you do that? This man here. Oh, cet homme ici. Il va m'injurier de la tête jusqu'à. You insult me from my head to the bottom. Pourquoi? Why? Parce qu'il n'y a pas de profondeur. There's no deep in her. Il n'y a pas de vie éternelle. There's no eternal life. Réjouissez-vous bien aimé. Rejoice, my beloved. Parce qu'en vous il y a Dieu. Because in you there is God. Il y a Dieu. There is God. Mes frères, vous êtes mariés avec des filles de Dieu. Brother, you got married to the daughter of God. Elles ont des dieux à l'intérieur. They have God in them. C'est pourquoi chez nous il n'y a pas de divorce. That's why you know there's no we don't have divorce. Des fois, on a les mêmes problèmes que les autres ont. Sometimes we have the same issues as the others. Mais pourquoi on ne divorce pas? Why we don't divorce? Il y a une chose qui nous amène au-dessus. There's something that brings us above that. Cette chose-là, c'est Dieu. That thing is God. La parole. The word. Quand il est en toi. When is in you? Il y a le pardon. There's forgiveness. Tonko bunda, so butu mo. We can fight all night long. Na tonko na imse ka pardon, chérie. Oh, in the morning I say, forgive you. Limbi sur. So just I'll forgive you. Il parle banga pardon, chérie. And show some forgiveness. Na limbi sur. And so I'll forgive you. Bande ko bomo ni intera ko bala na message. Oh, my beloved, you can see the interest of getting married in the message. To bomani na biso ti. We get mad at one another. Na tonko chérie limbi sanga. At the end, honey, forgive me. C'était le diable. He was just the devil. Il parle ba. Oui, chérie. Oh, yes, honey. Je comprends. I understand. C'était le diable. It was just the devil. Il m'avait aussi fait ça aussi. He also did that to me. Oui, chérie. Oh, honey. Tosukaga wana. We just end there. Atomonya zolia mabenda moto. She didn't need some warm metal. Don't be scared. Suka okitaga, chérie. Honey. Chérie. Oh, honey. Atabengi chérie tabendo sekasaga. Quoi? What?
Just forgive. Diable. He was just the devil. Oh, just forgive. Even if she gets mad, je mange plus dans cette maison. I don't, he won't eat in this house anymore. He even sleeps like that. At 4 a.m. Just remove the fufu out of the table. Allez, allez, come and wake you up. Hey, you. Chérie, tu dis quoi? Honey, what are you saying? Non mais, chérie, on avait enlevé ça parce que tu avais dit tu n'allais pas manger. Remove it because you're fetish. Who told you I will not eat? Ah, pardon, chérie, pardon. Oh, forgive me, honey. Fais vite. I go to work. Attends, comment fufu te gars? She's not citing the fufu. Just go. Go. Avoue la tongue, hein? Bon. And the money, you know. Ah, don't repeat that again, huh? Je te pardonne. I forgive you. Mais ça se gagne. We just end there. Dans le message, c'est bon. In the message is good. De bons mariages, c'est dans le message. Good marriage ends in the message. De bonnes personnes. Good people. C'est dans le message. It's in the message. Ne sont pas à l'extérieur. Dans Don't le go message. Outside. In the message. De bons maris. Good husband. Dans le message. In the message. Parce que nous suivons notre prophète. Because we are following our prophet. Il pouvait nettoyer les assiettes. He can even go do the dishes. Leur pasteur ne nettoie pas des assiettes. Their pastor don't clean the dishes. Ils n'ont pas de modèle. They don't have any model. Oh, Abisso, il nous a montré. Our prophet has showed us. Quand Meda est fatigué. When Meda is tired. Va l'aider dans la cuisine. Or help in the kitchen. Oh oui, moi je l'ai fait. Yes, I do it. Je ne suis pas une efféminée. I'm not mais j'aide mon épouse. But I help my wife. Je nettoie un peu des assiettes. I clean the plates. Je chauffe un peu l'eau pour l'été pour I elle. I warm the water for the tea for her. Quand elle est fatiguée, je l'aide. When she's sad, I help her. Oh yes. Oh oui. Je ne suis pas une efféminée. I'm not an effeminate. Oui, je dois l'aider. I have to help her. Au prédicateur, tu le fais. Yes. Oh, so, oh preacher, you do it. Après yes. La prédication, j'aime ma femme. After the sermon, I love my wife. Oh yes. Oh oui. Je ne peux pas être là tout le temps. Pranamadi. Oh, frère Pranamadi. Zungwe Zosika Pranamadi. Oh, frère. Hey, brother. Soyez humble. Be humble. Moi, je suis la main dans ta baignoire. Kuna. Pranam. Le Saint-Honneur, praise God. Démon, tu es un démon. Demon, you're a demon. Les vrais Saint-Honneur doivent t'aider d'aller aider l'enfant. The true servants have to help you to go help the child. Je dis vrai, mes frères. I'm saying the truth, brother. Oui. Yes. Oui. Yes. Ils sont des êtres humains. They are human beings. Elles ont besoin de l'aide. They are in need of help. Des fois aussi, me mêler un peu moi, non. Sometimes you even carry the child. Ah, okay, bien. You also feel good. Et ça, les moi bien. You make you feel good. Ah, mais déjà moi, non, moi, non, au kilo. She's already carrying the child. The child is heavy. Chérie, c'est comme si je transpire. Hein? Oh, honey, it's like I'm sweating, huh? Prends aussi ma veste. Oh, take aussi ma suit. Oh, frère. Oh, frère. Oh, brother. Logo te la rabi qui n'angé quoi. Ah, pick up my panda fell. Oh, brother. Soyez soumise. Ah, yeah, be submissive. Oh. Oh. C'est quoi ça? What is this? Be a human. Be a human. Oh. You carrying a child here. I'm a car seat. The car seat here. I can get along so boy. Jesus yes. Is coming back. Hallelujah. Hallelujah. Et tu vois ton frère là. Frère. Oh brother. Que Dieu te bénisse. God bless you. Ta femme souffre. Donc your tu bénis quelqu'un. Suffering. Oh. C'est pas normal. That's not normal. C'est pas normal. Oh, that's not normal. Brother Lamont, am I right? C'est correct, frère Lamont. Yeah, you need to help her. Vous devez l'aider. She needs help. Elle a besoin de l'aide. Yes. Oui. Des fois. Sometimes. Elle n'a pas besoin, envie de préparer. She doesn't want to cook.
It's not because she doesn't want to do it. C'est pas parce qu'elle ne veut maybe pas. She just feel bad. She's not and se sent pas bien. She's feeling like go eat somewhere. Elle se sent comme si elle veut partir manger but quelque if part. If you got money, go to the restaurant. Si tu as l'argent, pars au restaurant. C'est pas un péché. It's not a sin. Comme aujourd'hui après culte. Like to after church. Si tu as l'argent, allez au restaurant. If you have money, go to the restaurant. Ne lui dis pas quand j'ai dit le pasteur, salut ton frère, salut ton frère. Salut your brother, greet your sister. Chérie, je te donne une foufou. Honey, if I go back, you cook my pop. Do fast because my stomach is really hurting. Ah, frère! Hey, brother! C'est pas normal. That's not normal. Mais le foufou n'a pas you tell my foufou, I left here. If you go back, do it fast, do it fast. I'll go look at the brother after. Ah! Hey, brother! Papa! Hey, brother! Soyez un peu comme Kinzunga là. Be like Kinzunga qui est. Hey, mon frère José. Where's your brother Josie? Non, parce que ta mère a l'obac. Oh, mom said that. Donc, moi, restaurant. We have to go to a restaurant. Et ça là-bas, on va bien. It makes them feel good. N'est-ce pas, sœur Amy? Isn't that good, my sister Amy? Look at that, amen. Voilà, c'est ça. Vous voyez que ma prédication est normale. You see that my sermon is normal. Yeah. Elle va se sentir quand même bien. She'll feel good. Vous partez, vous mangez, vous tous. Après, vous rentrez à la maison. You go back home. Vous dormez. You go sleep. Il y en a des démons. There's other demons. Qui ne sont pas démons. That are not demons. C'est seulement qu'il faut que tu comprennes. It's just you have to understand it. Kéwan est un démon, t'es un salaud. Not a demon. He's just hungry. Et chauffée tellement qu'elle n'arrive really même pas à préparer. She can't even cook. Elle n'est pas insoumise. She's not as submissive. Elle a toujours été soumise. She's always been submissive. Mais à ce moment-là, il y a des vers qui tournent dans but les ventres. And that's why there's some worms in the stomach turning. Et très souvent, les vers africains, ça parle. And sometimes the African worms talk. On va me dire, tambour, ça croit. It's like, ouh. I'm so happy today. Oh, je suis très heureuse aujourd'hui. I'm very happy. Je suis très heureux. Est-ce que vous comprenez ma prédication? Do you understand my sermon? Ça vous fait du bien? Is it making you feel good? Oui, ça doit vous faire du bien. Yeah, it has to make you feel good. Dieu ne voulait pas. God did not want que l'innocent puisse mourir avec les coupables. That the innocent die with the condemned. Alors il s'est pourvu des moyens. So he made himself a way pour ceux qui voulaient entrer dans l'arche. For those who wanted to get in the ark. Et Dieu and God a poussé Noé pour fabriquer pushed une arche. Noah to make an ark. Autrement dit, other words saying, il a mis des ailes à ses aigles. Put wings on his eagles. Noé et sa famille étaient des aigles. Oh, Noah and his family were eagles. Quand le trouble est arrivé, when the trouble came in, Dieu a placé les ailes à God ses aigles. The eagles et il devait monter plus haut. And then to get higher. Il devait s'envoler au-dessus du jugement. To go higher than the judgment. Et ne pas se noyer avec les poulets. And not get drowned with the chicken. Oh, la miséricorde de Dieu. Oh, the mercy of God. Dieu est tellement miséricordieux. God is so full of mercy. Il ne voulait pas que les aigles puissent mourir. He didn't want the eagles to die. Il a placé les ailes sur les aigles. The wings on the eagles, qui était l'arche de Noé, the ark of Noah, pour voler au-dessus du jugement, to fly above the judgment, et Dieu qui est riche, and a God who's rich, en miséricorde, in mercy, du temps de Moïse, in the time of Moses, Dieu les a délivrés, God delivered them, le Dieu qui est riche en miséricorde, the God who's rich in mercy, et autant frère Branham a dit, and Brother Branham says, que Dieu, that God, qui connaît toutes choses, that knows everything, il a envoyé un message, sent a message, pour chaque âge, for each age, c'est à cause toujours de sa it's miséricorde, always because of his mercy, au temps de Jésus Christ, in the time of Jesus Christ, hallelujah, hallelujah, il a aussi envoyé un message, he also sent a message, et dans ce temps de la fin, and in this end time, il nous a envoyé un message, he has sent us a message, il a envoyé William Marion Branham, he has sent William Marion Branham, William Marion Branham, William Marion Branham, c'est la preuve de la grâce
grande miséricorde de Dieu. He is the proof of the great mercy of God. Il a apporté un message. He brought the message. Pour placer les ailes sur les aigles. To put wings on the eagles. Pour que nous puissions nous envoler très haut. So we can fly very high. Au-dessus du jugement. Above the judgment. Au-dessus de ces jours grands. Above of this great day. Et redoutable. And dreadful day. Je vous enverrai Élie le prophète. I will send thee Elijah the prophet. Pour que vous ne puissiez pas sombrer comme les autres. So that you can go and don't go in the dark. Dieu nous a placé les ailes. God has put wings on nous us. Nous devons monter dans les hauteurs. To go higher. Voler très haut. Go higher. Très haut dans la révélation. Higher in the revelation. Très haut dans la prière. Higher in the prayer. Très haut dans la consécration. Higher in the consecration. Hallelujah. Hallelujah. Frère Branham a dit. Brother Branham says. Au paragraphe 91. In paragraph 91. C'est exactement la même chose. It's exactly the same thing. Je crois qu'il est arrivé à nos âges de l'Église. I believe what happened in the age of church. Dieu nous a envoyé le message. God has sent us the message. Celui de Martin Luther. The one of Martin Luther. Avec son message. With his message. Celui de John Wesley. The one of John Wesley. Le message de Pentecôtiste. The message of the Pentecostal. Mais qu'est-ce que nous en avons fait? But what did we do with it? Exactement la même chose. The very same thing. Que avec ce serpent de rein. That they did with that brass serpent. Nous l'avons idolâtré. We idolized it. Il dit, je fais partie de ceci. I belong to this. Je fais partie de cela. I belong to that. Voyez-vous? You see? Je fais partie de cette église. You belong to that. Je fais partie de cette religion. I belong to that religion. Voyez-vous? You see? Vous faites partie de quelque chose. You belong to something. Sans avoir la sincérité. Without the sincerity. Qui se rattache à une adoration sainte. That's connected with a genuine godly worship. Est vrai de la parole. And God worship of the word. Qu'est-ce qui s'est passé? What happened? Nous nous sommes organisés. We organize ourselves. Chacun veut aller d'un côté. Each one will go inside. Chacun veut produire une pensée. Each one will produce a thought. Malgré que Dieu nous a envoyé un message. Even if God sent us a message. Mais nous avons idolâtré ce message. But we idolize the message. Mais frère Branham a dit au paragraphe 101. Dieu enverra quelqu'un. God will send somebody. Qui démolira la chose. Who will destroy the thing. Et la mettra en morceaux. And will tear it to pieces. Et il confirmera sa parole. And confirm his word. La parole entière. The full word. Remarquez. Notice. Gloire à Dieu. Praise be to God. Or nous voyons. Now we see. Que c'est bien vrai. That it's true. Dieu qui est riche en miséricorde. God rich in mercy. C'est du temps de Luther. In the time of Luther. Ils ont idolâtré leur message. They idolized their message. C'est du temps de Wesley. Those are the time of Wesley. Ils se sont divisés. They divided themselves. Les pentecôtistes. The Pentecostals. Ils se sont organisés. They organized Mais themselves. Mais Dieu a promis. But God promised. Qu'il allait aussi envoyer quelqu'un d'autre. They will send someone else. Qui allait démolir la chose entière. That will destroy the entire thing. Et qui allait restaurer une vraie adoration. And will restore the true worship. C'est la personne de William Marion Branham. And that person is William Marion. Qui a apporté un message? That brought the message. Qui a démoli les idoles? Destroyed the idol. Qui a démoli l'autel de Baal? That destroyed the altar. Et aujourd'hui nous adorons le vrai Dieu. And today we worship the true God. Il nous a prêché la vraie révélation. He preached us the true revelation. De qui est Jésus? Of who is Jesus Christ? Qui est Jésus? Who is Jesus? Il n'est pas la troisième personne en Dieu. He's not the third thing in God. Ou la deuxième personne en Dieu. Or the second person in Mais God. Mais Jésus Christ est Dieu. Jesus Christ is God. De la tête jusqu'aux pieds. From the head to his feet. Jésus Christ est Dieu. Jesus Christ is God. Amen. Amen. Tu peux dire amen à ça? Can you say amen to that? Nous avons reçu un message puissant. We receive a powerful message. Dieu nous a envoyé un prophète puissant. God has sent a powerful message. Mais ce prophète est parti. And that prophet is gone. Dieu n'a pas permis que nous soyons sans témoignage après. God didn't want us to be without a testimony. Dieu voulait nous laisser avec un témoignage. God wanted to leave us with a testimony. Vous voulez connaître ce témoignage? You want to recognize the testimony. Frère Branham dit au paragraphe 74. Tout croyant qui vient à Dieu. All believer who comes to God. Devient la tribu de Dieu. Becomes the tribute of God. Il devient la de sa becomes the tribute of his word. Et il est utilisé and is used pour manifester la parole to manifest the word qui est promise pour son jour. That is promised for his day. Tu es ce témoignage là. You are that testimony. Tu es un attribut de Dieu. You are an attribute of God. Parole me dit que c'est exact. But Bible says it's exact. Dieu riche en miséricorde. God is rich in mercy. N'a jamais permis que nous soyons sans témoignage. He has never allowed to be without testimony. Parce qu'il est riche en miséricorde. Because he's rich in mercy. Il a fait de toi un attribut de Dieu. He has made of you an attribute of God. Un dispensateur de la puissance. A spreader of the power. Un distributeur de la parole. A distributeur
contributor of the word. Tu es un serviteur de Dieu. You are a servant of the tu Lord. Tu es un témoignage aujourd'hui. You are a testimony today. Tu es celui qui doit continuer l'œuvre. You are the one who is to continue the work. Tu es l'épouse de Dieu. You are the bride of God. Alléluia. Alléluia. On a posé la question à Frère Branham. They asked Frère Branham a question. Est-ce que l'épouse a un ministère? Does the bride of a ministry? Frère Branham a dit oui. Frère Branham said yes. L'épouse a un ministère. The bride has a ministry. C'est quoi son ministère? What's their ministry? C'est le message de l'air. It's the message of the elle hour. Elle doit continuer à prêcher. She has to continue to preach. Pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Why was the Holy Spirit given? Pour que toi tu sois un co-ouvrier. So that you can be a co-worker. Avec Christ. With Christ. Pour continuer. To continue. À manifester Dieu. To manifest God. Continuellement. Continually. Tu es ce témoignage. You are a testimony. Mais comment pouvons-nous atteindre ça? How can we reach that? Comment pouvons-nous atteindre how can we reach ce témoignage? That testimony. Ou comment pouvons-nous bénéficier how can we benefit de la miséricorde de Dieu? Of the mercy of il God. Est riche en miséricorde, amen. He's rich in mercy, is right? Mais on doit savoir comment bénéficier but de ça. But we have to know how to benefit in that. Frère Branham a dit, but Branham says, pour bénéficier de ça, to benefit in that, vous devez you have rester dans la parole. Stay in the word. Obéir la parole. Obey the word. Si vous voulez obtenir la miséricorde de Dieu. If you want to obtain the mercy of God. De ne pas être un imitateur. Don't be an imitator. Il regarde Pharaon. He said, look at Pharaoh. Il est allé dans la mer comme imitateur. He went to the sea as an imitator. En voyant qu'il pouvait s'y avancer comme Moïse. Seeing like he can move forward like Moses. Il n'avait pas été appelé pour entrer dans l'eau. He wasn't called to get into the water. Il est allé comme un imitateur. He went like an imitator. Il a dit parce qu'ils sont entrés. He said, because they went through. Moi aussi je vais entrer. I will go through. Hey! Oh! Et ils sont dans les sentiers du devoir. They are in the duty. Ils sont en train de suivre la parole. They are following the word. Ils ne sont pas entrés par des sentiments. They're not getting by their own feelings. C'est la parole qui leur a dit entrer là-bas. It's the word who told them to get in there. Alléluia. Alléluia. Moïse n'était pas entré par l'intelligence. Moses didn't get by the intelligence. Mais c'est Dieu qui a dit à Moïse. But it's God who told Moses. Il a dit entrer dans l'eau. He said get into the ils water. Ils sont entrés. And they went through. Ils ont marché à sec. They walked in dry land. Mais Pharaon. But Pharaoh. Qui l'a mandaté? Who mandate him. Qui l'a commissionné? Who gave him a commission? Qui lui a dit d'entrer là-bas? Who told him to go there? Personne ne lui avait dit d'entrer. Nobody told him to get c'était in. C'était son orgueil. He was his pride. Son courage. His courage. Les imitations. His imitation. Il est allé pour entrer là-bas. He went to get into that. Et il ne pouvait pas survivre. And he couldn't leave. Et Frère Branham a dit. And Brother Branham says. Les mêmes eaux. The same waters. Là où Moïse a traversé à sec. When Moses crossed in dry land. C'est les mêmes eaux. It's the same waters. Qui ont englouti Pharaon. That drowned Pharaoh. Parce que Pharaon était un imitateur. Because Pharaoh was an imitator. Le seul moyen d'obtenir miséricorde. The only way to obtain mercy. C'est ça. It's that. C'est de suivre les directives que Dieu nous a données. It's to follow the direction that God has given us. Pour que nous les suivons. So that we can follow it. C'est seulement là qu'il peut exercer sa miséricorde. It's only there where he can show his mercy. C'est quand nous suivons ce qu'il a dicté. It's when we are following what he has said. Amen. Amen. Frère dit aujourd'hui mon ami. Today, my friend, le seul moyen pour nous de trouver grâce devant Dieu. The only way to find mercy before God. Dieu est riche en miséricorde. God aujourd'hui. Is full of mercy, rich of mais mercy. Nous devons respecter ce qu'il a but dit. But we have to respect whatever he said. Vous ne pouvez vraiment pas prendre ce que quelqu'un d'autre a dit. You cannot take what someone else has said. Mais vous devez prendre ce que Dieu a dit. But you have to take what God has said. Il a dit que toutes les paroles d'homme soient un mensonge. He said, let all the words of men be a lie. Et que la mienne soit vraie. And let my words be the truth. Nous voulons prendre ce que Dieu we a want dit. To take what God has said. Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. Dans cet âge, il nous a aimés. In this age, he has loved us. Il nous a envoyé un message. He has sent us a message. Dieu a dit, je vous enverrai Élie le prophète. God said, I'll send you Elijah the prophet. Nous sommes plus grands que Élie. We are greater than Elijah. Très important que Élie. More important than Elijah. Élie c'est un serviteur. Elijah is just a servant. Eliezer. Eliezer. Dont notre époux Jésus-Christ a envoyé. Our groom Jesus Christ has sent. Avec une lettre d'amour. With a letter of love. Avec un message. With a message. Pour nous préparer pour aller voir notre époux. To prepare us to go see our groom. Nous sommes importants aux yeux de Dieu. We are very important in the eyes of God. Vous le savez. Do you know it? C'est ce qu'il a dit dans ce que là on avait lu ici, non? That's what he said where we read. Dans Malachie chapitre 4. In Malachi chapter 4. Avant ces jours grands. Before that great day. Avant ces jours redoutables. Before that dreadful day. Avant ces jours là où il va détruire la terre. Before the day he will destroy the earth. Il nous a donné la promesse. He has sent, given us a promise. Il a dit pour mon peuple. He said for my people. Pour mon épouse. For my bride. Je vais envoyer Élie. I will send Elijah. Élie le prophète. Elijah the prophet. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, afin que le jour de l'Éternel arrive
Ces jours grands et redoutables. Behold, I'll send you Elijah the prophet before the coming of the great and dreadful day of the Lord. Et Dieu nous a envoyé cet Élie. And God has sent us that Elijah. Élie le prophète. Elijah the prophet. Quand nous parlons d'Élie le prophète, when we talk about Elijah the prophet, nous parlons pas d'Élie avec les gros barbes, beaucoup de barbes. We don't talk about Elijah with a lot of beard. Je parle d'un homme. I'm talking about a man. Appelé William Marion Branham. Called William Marion Branham. Mais ayant sur lui, but having in him, l'esprit qui était sur Élie, the spirit that was on Elijah. Parce que frère Branham a dit. Because what Branham says, que l'esprit d'Élie, because the spirit of Elijah, doit travailler, has to work, cinq fois, five times, cinq fois, five times, l'esprit d'Élie, the spirit of Elijah, ça travaille avec Élie le Tishbite, worked with Elijah the Tishbite, le vrai Élie, the true Elijah. Quand il est parti, when he left, Dieu a pris le même esprit, God took the same spirit, il a placé ça sur Élie, put that in Elisha. Après, and after, quand il est parti, when he left, il a pris encore cet esprit, the same spirit, il a placé ça sur Jean-Baptiste. John the Baptist. Quand Jean-Baptiste est parti, when John the Baptist left, il a pris cet esprit, took the same spirit, il a placé ça dans William Marion Branham. William Marion Branham. Et William Branham est parti, William Branham is placed, cet esprit est dans les airs. That spirit is in the air. Parce que ça va revenir encore. Because it will come back again. Ça reviendra où? Where will it come back? Chez le véritable Élie. To the true Elijah. Au temps des Juifs. In the time of the Jews. Parce qu'il doit venir les deux témoins. Because there they come two witnesses. Après que nous soyons partis. After we call, il y a deux prophètes qui reviendront. There's two prophets that will come back. C'est qui? It's who? Moïse. Moses. Et Élie. And Elijah. Entre William Branham. Between him, William. Et le véritable Élie a venu. And the true Elijah. Il n'y a pas un autre Élie à l'intérieur. There's no other Elijah in the middle. Parce que si un autre Élie vient. Because if there's another Elijah. Ça sera six fois. It will be six. Et ça va détruire les plans de Dieu. The plan of God. Est-ce que vous me comprenez? Do you understand? L'esprit d'Élie doit travailler cinq fois. The spirit of Elijah has to work five times. Ça a travaillé sur Élie le Tishbite. Worked on Elijah the Tishbite. Sur Élisée. To Elisha. Sur Jean-Baptiste. John the Baptist. Sur William Branham. To William Branham. Pour nous préparer. To prepare us. Pour retourner au ciel. To go back to heaven. Quand nous partons. When we go back. Le vrai Élie là. The true Elijah. Élie qui appelait le feu. The Elijah was called the fire. Il va revenir. He will come back. Et Moïse. And Moses. Il avait ouvert la mer. Who opened the sea? Il va revenir. He will come back. Il était mort. He was dead. Mais il va revenir. But he will come back. Amen. Amen. Élie. Elijah. Il n'était pas mort. He was not dead. Élie était enlevé. Elijah was raptured. Frère Branham a dit. Papa Branham says. Élie qui était enlevé. Elijah was raptured. C'est le type de l'épouse qui sera enlevé. He is the type of the bride that will be raptured. Et Moïse qui était mort. And Moses who was vous dead. Vous croyez que Moïse était mort? You believe that Moses was Moïse dead? Moïse est le type de ceux qui sont morts. Moses the type of the one who are dead. Et qui vont ressusciter avant la rapture. And will be resurrected before the rapture. Hallelujah. Hallelujah. Que la parole de Dieu n'a pas de confusion. The word of God any confusion. Nous sommes dans l'âge de William Branham. We are in the age of William Branham. Nous sommes dans l'âge de la voix du septième ange. We are in the age of the voice of the seventh angel. Quand il sonnera de la trompette, will sound his trumpet. Le mystère de Dieu sera révélé. The mystery of God shall be revealed. Et aujourd'hui, tous les mystères de la Bible, today, all the mystery of the Bible, c'est complètement révélé. It's completely revealed. Nous connaissons que le vrai baptême, we know the true baptism. C'est au nom de Jésus-Christ. It's the name of Jesus Christ. Ce n'est pas au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. It's the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Nous connaissons aujourd'hui, we know today, le vrai Dieu, the true God, son nom c'est Jésus-Christ. His name is Jesus nous Christ. Connaissons la forme physique de Dieu. We know the physical form of God. C'est Jésus-Christ. It's Jesus nous Christ. Connaissons les noms humains de Dieu. We know the human name of God. C'est Jésus-Christ. It's Jesus nous Christ. Connaissons les noms de Dieu. We know the name of God. C'est Jésus-Christ. It's Jesus Christ. Parce que la Bible dit because the Bible says que Jésus est venu par le nom de son Père. Jesus came by the name of his Father. Or, c'était quoi le nom de son Père? So what's the name of his Father? C'est le nom du Fils. It's the name of the Son. C'est quoi le nom du Fils? What's the name of the Son? C'est Jésus. It's Jesus. C'est pourquoi Jésus a dit that's what le Père qui parle est à moi. Et lui et le Père, ils étaient. Quel mystère. What a mystery. Caché dans la Bible. Hidden in the Bible. Mais il fallait un aigle. Un vrai aigle. A true eagle. Qu'il vienne pour nous apporter la révélation. To come and bring us the revelation. William Branham. William Branham. A révélé la Bible. Revealed the Bible. Aujourd'hui la Bible. Today the Bible. C'est le message. It's the message. Et le message. And the message. C'est la Bible. It's the Bible. Branham n'a inventé rien. Il a interprété la Bible. He interpreted the la Bible. Statue de l'homme parfait. The statue of the perfect man. Allez lire dans les livres de Pierre. Read in the spirit of Peter, the vous allez of voir ça. You'll find it. La semence du serpent. The serpent seed. C'est dans Genèse. It's in Genesis. Les théologiens ne peuvent pas comprendre the theology can understand mais il fallait un primaire. But we need a primary man. Quelqu'un qui n'a pas étudié. The man who didn't go to school. Parce que si tu pars à l'école. Because if you go to school. Les signes sont priés. Your signals are messed up. Tu
comprends des choses par rapport à la science. You understand things through science. Mais on n'a pas besoin de scientifiques. We don't want a scientist. On a besoin de mathématiciens. We want mathematicians. La mathématique appliquée. The mathematics applied. Alléluia. Branham n'était pas un scientiste. Branham was not a scientist. Branham était un mathématicien appliqué. Branham was a mathematician, an applied mathematician. Un primérier. A primary man. Il n'est pas allé à l'école. He didn't go to school. Mais quand il s'assoyait, but when he was sitting, l'ange descendait. The angel was coming down. Il lui dit, prends ta plume. Said, take your pen. Commence à écrire. Start writing. Ce que je prêche. What I'm preaching. C'est pas un homme qui l'a prêché. It's not even a preacher. C'est l'ange qui est descendu. It's the angel that came down. Et il a dit à William Branham. And told William Branham. Prends ta plume. Take your pen. Commence à écrire. And start to write. Cet ange-là est déjà parti. And that angel already left. Il ne reviendra plus nous donner un autre You'll message. Never come back to give us another Cet message. Ange-là nous a dit, that angel told us, répétez ce que j'ai déjà dit. Repeat whatever I've already Parce said. Que l'Esprit a déjà parlé. Because the Spirit has already spoken. Il ne parlera plus jamais. And will never speak anymore. Alléluia. Alléluia. Cet ange-là, sa mission est finie. That angel's work is done. C'était d'emmagasiner la nourriture. He was to store the food. Pour que so that nous puissions avoir ça sous forme de brochures. We can have it in the way of message books. Et sous forme de bandes. And forms of tapes. Aujourd'hui, quand tu lis le message, today when you're reading the message, tu lis la Bible. You're reading the Bible. Amen. Amen. Parce que Branham, because Branham, il a pris un verset. He took a verse. Il prend ceci. He takes this. Il vous lit dans Ephésiens chapitre 2. He read Ephesians chapter 2. Nous qui étions perdus. As who were lost. Nous qui étions morts. As who were dead. Dans nos péchés. In our sins. Nous qui n'avions plus d'espoir. As who didn't have any hope. Nous qui n'étions pas un peuple. As who were not a people Mais anymore. Mais Dieu. But God. Qui est riche en miséricorde. Who's rich in mercy. Et Branham dit, c'est comme si quelque chose m'a frappé. Branham says, like something hit me. Et ça m'a donné des explications And sur ça. And give me an explanation to that. Et il vient maintenant nous expliquer. And he comes to explain. Le Dieu qui est riche en miséricorde. But God who's rich in mercy. Ça veut dire quoi? What does it mean? Bien aimé, chaque jour tu devais remercier Dieu. Beloved, each day you have to thank God. Pour sa miséricorde qu'il t'a faite. For the mercy he has done to you. Pour connaître ce message de l'air. To know the message of the hour. Ce n'est pas donné à tout le monde. It's not given to everybody. Je vous dis vrai. I'm telling you the truth. Aujourd'hui des fois. Today sometimes. Je regarde un prédicateur à la télévision. I look at a preacher in the TV. Je ferme ça dans 5 minutes qui va suivre. I just turn it off in 5 minutes. Today we're going to speak about the revelation. Aujourd'hui nous allons parler de l'Apocalypse. The revelation. L'Apocalypse. You know when John said. Vous yeah, savez yeah. quand Jean a dit. Qui es-tu pour entrer dans l'Apocalypse? Who are you to get into Revelation? Qui est un livre de symboles pour commencer? Who is the book of symbols to begin with? Et sortir avec la révélation. And come into Revelation. Si tu n'es pas William Branham. If you're not William Branham. Qui es-tu? Who are you? Tu n'as pas de droit d'entrer dans l'Apocalypse. You don't even have the right to get into Revelation. L'Apocalypse c'est pour les aigles. Revelation is for the eagles. C'est pour des aigles. It's for the eagles. Dans cet âge, in this age, nous avons reçu une seule personne. We receive one man. Tu peux entrer dans Genèse. Who can get in Genesis? Avec les yeux fermés. With his eyes closed. Il traverse les 66 livres. He's going through the 66 Bible. Quand il arrive dans l'Apocalypse, when he gets into Revelation, parfait. Perfect. Il n'y a pas de complications. There's no complication. Pas de confusion. No confusion. Il vous dit qu'un verset ne peut pas contredire l'autre. He said one verse cannot contradict the other. Ça c'est complète. It completes itself. Hallelujah. Hallelujah. Oh, les aigles sont contents. Are the eagles happy? Amen, 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 amen. Vous devez l'être. You have to be happy. Si vous l'êtes pas, tu n'es pas un aigle. If you're not happy, you're not an eagle. Tu es un combé au milieu de nous. You're just an imitator. Ah, les aigles doivent avoir la joie. Eagles have to be happy. Pour le message de l'air. For the message of the hour. Un message puissant. A powerful message. Que Dieu a envoyé dans cet âge. That God has sent in this age. L'âge dont Branham a aimé. The age that Branham loved. L'âge où les femmes marchent nues. That age where women are walking naked. Là où les puits de l'abîme, les puits de l'enfer sont ouverts. Les capuchons de l'enfer sont ouverts. The pit of hell is Mais on a demandé à Branham. Go ask Branham. Quel est l'âge dans lequel tu vas What age will you aimer vivre? Like to live. Branham a dit dans cet âge, yaya. I'm saying this age. Là où le péché abonde. Where the sin is La grâce est surabonde. The grace is above Nous that. Voulons cet âge. We want this age. Nous voulons manger la nourriture de cet âge. We want to eat the food of this age. Parce qu'à la fin de cet âge, Because at the end of this nous age, allons nous envoler. We will go. We will Je m'envolerai. I will fly away. Oh gloire. Oh glory. Je m'envolerai. I will fly away. À la fin. At the end. Alléluia, tout à l'air. I will fly away. Je vais m'envoler.
I will fly away. Le Dieu qui est riche en miséricorde. God is rich in mercy. Il ne voulait pas notre mort. He didn't want our death. Il nous a envoyé le Saint-Esprit. He sent us the Holy Spirit. Le Saint-Esprit sur nous. The Holy Spirit on pour us. Pour confirmer sa parole. To confirm his word. Comme il l'avait promis. As he promised it. Dieu a promis qu'il ferait ces choses. God promised he will do these things. Qu'est-ce qu'il allait faire? What will he do? Confirmer sa parole. Confirm his word. Guérir les malades. Heal the sick. Parce que Dieu. Because God est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Yesterday, today, and forever. Il est riche. He is rich. En miséricorde. In mercy. Il était miséricordieux. He was merciful. Hallelujah. Hallelujah. Du temps de Moïse. In the time of Moses. Quand les serpents pouvaient les mordre. When the serpent could bite them. Il a dû fabriquer un serpent de reins. He said, make a brazen serpent. C'est lui qui regarde ça. The one who look at that. S'il avait été mordu par les serpents. If he was even bitten by the il snake. Il serait guéri totalement. He would be healed totally. Il était guéri. He was healed. Et après, and after, quand cette dispensation est terminée, when that time left, le grand Dieu du ciel, the great God of heaven, il a fabriqué la piscine de Bethesda. He made the pool of Bethesda. C'était toujours sa miséricorde. That was still his mercy. L'ange descend là-bas. The angel was coming down. Il agite l'eau. You will move the water. Quand tu es malade, tu entres. When you're sick, you get in. Tu es guéri. You are healed. Et après, and after, il devait fermer la piscine. He had to close the pool. Lui-même. Himself. Lui-même. Himself. L'ange qui descendait dans la piscine. The angel that was getting in the pool. Il est maintenant revenu. He came down. Il a fait l'expiation. He made the pay. He paid the price. Il a lavé un peuple. He washed the people. Il a pris le Saint-Esprit. He took the Holy Spirit. Il l'a placé en nous. He placed in us. Aujourd'hui, on n'a pas allé à Jérusalem. Today we don't have to go to Jerusalem. Aller chercher la piscine de Bethesda. Or go to look for the pool of Bethesda. On n'a pas allé chercher les serpents. We don't have to go to the breast and serpent. Aujourd'hui, today, vous regardez Jésus. You look at Jesus. Vous croyez en Jésus. You believe in Jesus. Vous êtes totalement guéri. You are totally healed. Totalement guéri. Totally healed. Cette expiation-ci, Frère Manon m'a dit, ça devait être une expiation éternelle. This paying of price has to be an eternal. Parce que because il est venu lui-même. He came himself. Dieu lui-même est venu. God himself came. Sous la forme d'une chair de péché. In the form of a sinful flesh. Pour faire une expiation, appropriation. Yeah. To make appropriation. Éternelle, une expiation éternelle. An eternal appropriation. Il a souffert dans la chair. He suffered in the flesh. Il a payé le prix. And he paid the price. Il est revenu sous la forme du Saint-Esprit. And he came back in the form of the Holy Spirit. Pour confirmer ce qu'il a fait. To confirm what he has done. Alors qu'aucun serpent n'errait. While no breast and serpent. Ni aucune autre trouble ne pouvait le faire. No any other trouble could have done it. Tout cela. All that. Annonçait quelque chose de parfait qui allait venir. Was announcing a perfect thing that had to come. Dieu. God, qui est riche, who's rich en miséricorde. In mercy. Dieu, God, riche, rich en miséricorde. In mercy. Si tu es sauvé aujourd'hui, if you are saved today, c'est par la grâce de la miséricorde. It's by the grace and the mercy of our God. Si aujourd'hui on t'appelle frère, if today they call you brother, ne te glorifie pas. Don't glorify yourself. Ah merde. Emery. Ne te glorifie pas. Don't glorify yourself. C'est à cause de Jésus-Christ. It's because of Jesus Christ. C'est à cause de sa miséricorde. It's because of his mercy. Le Dieu qui est riche en miséricorde. The God who's rich in mercy. Il nous a donné des dons. He has given us gifts. Le don de guérison. The gift of healing. Pour continuer à guérir les to malades. Continue to heal the sick. C'est toujours la miséricorde de notre it's Dieu. It's still the mercy of our nous God. Nous devons remercier Dieu pour sa miséricorde. We have to thank our God for his mercy. Nous devons être contents pour la miséricorde. We have to be happy for the mercy of et our Lord. Sa miséricorde. And his mercy. Va produire l'enlèvement. Will produce the rapture. Nous allons partir au ciel. We'll go to heaven. Ça c'est une chose qui est certaine. That's a certain thing. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas. Whether you want or we don't want it. Nous montons. We are going higher. Nous partons. We're going higher. L'un de ces quatre matins, one of these mornings, nous allons partir. We will go. Il y aura pas culte. There won't be any church service. Il y a d'autres personnes qui viendront ici. There's some people that will come here. Ils entrent et s'assoient. They'll get in the gate, they sit down. Aujourd'hui, je suis venu avant même les pasteurs. Today I even came before the pastor. Je suis venu avant tout le monde. I came before everybody. 12h. 12 o'clock. 13h. Oh, 1 o'clock. Comment y a pas culte? Comment? Oh, there's no church or what? Il commence à appeler. He start calling. Pasteur. Pastor. Le téléphone répondait. The phone, the voicemail. Peut-être mon voisin là va prendre le téléphone. Maybe my neighbor will take it. Il envie beaucoup mon téléphone. Il va prendre. He envy my cell phone. Il répondit, your pastor's not here. He said, ton pasteur n'est pas là. Tu pars comme ça, la maison du pasteur est ouverte. The house of the pastor is empty. Ses habits sont là. His clothes are there. Mais il n'est pas là. But he's not there. Ah, je cherche frère José. Oh, I'm looking for brother José. Tu pars chez José. You go to José. José n'est pas là. José is not there. Non, laisse-moi partir vers Eli là-bas. Let me go to what Elijah there. Eli va me donner un peu l'argent. Elijah parce will give me some money. Je vais lui retourner après. I'll give him afterwards. Tu pars comme ça, Eli n'est pas là. Elijah is not there.
Il y aura un répondeur qui te dit, you welcome. Voicemail. Take everything vous that you want to take. Bienvenue, prenez tout Elijah ce que vous voulez. Was raptured. Élie a été enlevé. Oh oui. Oh yes. Je crois ça. I believe in that. Parce que Branham a dit. Because Branham is saying. Si on dit que l'enlèvement sera là demain. If they say the rapture will be there tomorrow. Si on demande qui va partir. If the school will go. Ne dis pas que c'est Branham. Don't say it's Branham. Ne dis pas que c'est Adapi. Don't say it's Adapus. Dis c'est toi. Say it's me. C'est toi. It's me. Dans cette église, si Dieu vient. In this church, if God comes. Je partirai. I will go. It's the work of courageous. La Bible dit que le ciel appartient aux courageux. The Bible says heaven belongs to the courageous. Comment on dit ça? Les violents, hein? Oh, violent men. Pas les lâches. Not the il est là en train d'observer les autres se réjouir. Some people are rejoicing. Il y a même un gars qui m'a soumis. He's just carrying all the sins of people. Nga non, c'est pas un gars qui m'a soumis. Yo, I'm a man of sin. Nga non, I'm not a man of sin. Nga non, zamo. Mon bon ami. I am a chosen one. I am going to heaven. Je pars au ciel. I'm going to heaven. Ne regarde pas mes faiblesses. Don't look at my mistakes. Tu vas rester à regarder you ça. Are still looking at on t'a pas dit de regarder à ça. To look at on t'a dit regarde à Jésus. They said, look into Jesus pour être sauvé. To be saved. Ne regarde pas ton voisin. Don't look at your neighbor. Ne regarde pas ton frère ou ta sœur. Don't look at your brother or your sister. Je vais terminer par vous dire ceci. I'll finish by telling you this. Vous voyez en Amérique. You see in America. Il y a beaucoup de miroirs. There's a lot of mirrors. Beaucoup. A lot. Il y en a des miroirs. There's mirrors. Quand tu regardes comme ça. When you look like that. On est en train de te coiffer. They're cutting your hair. Tu regardes comme ça. You look at it. Ta tête devient macrocéphale. Your head becomes huge. Tu dis non, ma tête n'est pas comme ça. Tu touches comme ça, non. Ma tête est normale. My head is normal. Il y en a d'autres quand tu regardes comme there's ça. Some when you look at it. T'as la montagne là. Look at the big head behind. Tu es en train de faire comme ça. You're doing this. Oh, mais ma tête est là. Oh, my head stops there. Il y en a d'autres miroirs dans des maisons des gens. At the mirror, you're looking at a house of people. Tu entres comme ça. You get like this. Tu es devenu très gros. You become very big. Directement les soucis entrent en toi. Directly you become sad. I have to lose weight. Oh, je dois perdre le poids. I have to lose weight. Je dois perdre. Ce n'est pas toi. It's not you. Je vous dis vrai. I'm telling you the truth. Il y en a d'autres miroirs. There's some of the mirrors. Quand tu regardes comme ça. When you look at it. Tu vois même les trous de ta peau. You even see the holes on your skin. Ça fait que ça devient très gros. It becomes big. Il y a des différents miroirs. There's different mirrors. Il y en a d'autres miroirs à l'église. There's other mirror allegory. Tu regardes comme ça. You look like this. You are too skinny like this. Tu es vraiment mess. Et condensé au comi boy. You become really slim. On dit ça le fond, on a fond guama. You're doing this, but you don't, nothing happened. Ça veut dire, hein? It means c'est comme ça dans le spirituel. That's how it is in the spiritual. Dans l'église, hein? In the church, il y a toutes sortes de miroirs. There's all kind of mirrors. Tu regardes un frère. You look at a brother. Omi mona bayo komo paga nusuka ba paga. You make yourself like a sinner. Ako sayo. Oh, he's lying to you. Il fait semblant là, il marche comme ça. He's walking like this. Hallelujah, oh, brother. Hallelujah. Frencho. He's a sorcerer. Mais devant toi, hallelujah. Before you, hallelujah. Il veut même pas que ses pieds touchent la terre. Does anyone is fit to touch the ground? Il marche comme ça, hallelujah. Hallelujah. La nuit tu dors, il vient aussi, hallelujah. He also gets hallelujah. Maintenant sans habit. With no clothes. Hallelujah. Oh, hallelujah. Comment ça? What is it? Tout ce qu'on a dit dans l'église, au combien d'années? Why are you here? Oh, frère. Brother. Bien-aimé. Beloved. Bien-aimé. Beloved. Tu les regardes comme ça, tu dis comme ça. Ça mène aucun affaire. Moi, je suis le vrai païen de tous les païens. I'm the first heathen. Nazatana niveau mon côté. I don't have a level like him, this brother. Non, c'est faux. No, it's not true. Le véritable miroir que je te conseille. The truth of true mirror that I'm giving a counsel. C'est la parole de Dieu. It's the word of God. Ne regardez pas quelqu'un. Don't look at someone else. Ne regardez pas les voisins. Don't look at your neighbor. La parole de Dieu reste constante. The word of God stays constant. Elle ne change pas. It does not change. Tu dois te mirer chaque matin. You have to look at it. Et chaque soir, and each morning, each evening, par rapport à la Bible, or according to the word, prier the Bible, and pray God. Là où tu as vu que tu as des faiblesses, where you see you have mistakes, il y a des changements, faiblesses en force. Change my weakness to strength. Enlève mes incapacités. Remove my capacity. Et fais que je sois comme ta parole veut que je sois. Like your word wants me que to Dieu be. Vous bénisse richement. May God bless you richly.